Ah, il nous reste 2-3 heures de gameplay, je pense. On y a moyen de finir ce soir. Et on commence, je rappelle, Exodus, Metro Exodus, vendredi à 20h. 19h, 20h, ça dépendra de quelle heure on commence. Mais ouais, vendredi, rendez-vous pour Metro Exodus, le let's play en ultra, RTX on, 4K, Mabi, tout ça, bref, ça va être stylé. Finir ce soir, MDA. Fais gaffe, c'est dangereux ce que tu dis, Tanné. Tu vois, danger. Tanné, est-ce que tu veux un petit plug anal? Merci, Phil, pour les 10 balles, encore une fois, merci Artewis pour les 3 balles, beaucoup trop propres les micros, absolument, vraiment trop stylé. Phil, merci pour les 10 balles, Artewis, merci pour les 100 balles. Gars, Exodus, il a envoyé 100 balles. Oui, Exodus, il a un RTX, ouais. Exodus, il a un RTX, on va jouer à un RTX, nous. La Venise souterraine. Une île sur les eaux sombres de rivières souterraines. J'ai parlé, mais t'as pas dû tout lire. Les rumeurs qui circulent à son sujet. Ah, tu joues pas là. Il paraît que c'est un repère de voleurs. Ah, les arbres encore. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Pavel a atteint Venise. Et s'il n'est pas trop tard, il y est toujours. La priorité est de trouver le sombre. Mais je dois aussi découvrir les plans de Corbut pour pouvoir les transmettre à l'ordre. Il y a combien de métros? Il y en a deux actuellement. Il y a métro... Ah oui, il faut qu'on fasse le tir là-bas et tout. Il y a métro Exodus. Je suis fatigué. Actuellement, il y a métro 2033 et métro Last Light. Ok? Laissez-moi juste faire un truc, chat. Laissez-moi juste faire un truc. Et métro Exodus, en fait, sort dans deux jours, chat. Ouais, faut que je fasse pour que je prenne une ours, ouais. Putain, il y en a qui suivent le live, ça fait vraiment plaisir. Permettez de dire. Oh là, mais ce fond d'écran me donne tellement envie. Je vais mon big SPJ sans comme ça voyant qu'à pas. What? Ce fond d'écran magique. I do know, boy. What? Twist, sérieux, gros. Mec, t'as envoyé 100 balles déjà. Vin, merci à toi. The Big SD. Oui, Vin, je t'ai vu. Vin, merci bébé. Merci beaucoup. T'as chez Pouille ton fond d'écran. Point d'exclamation, fond d'écran, chat. Merci pour le resub. Chat. Merci. Merci pour le resub. Bonsoir, en espérant que tu vas bien. Un nouveau sub. Rejoins la Charles Louvre Army. Non mais maintenant j'ai la sensi de... impossible de jouer avec cette sensi maintenant. Oh. Maintenant mec j'ai la sensi de... Comment t'as fait ça? Point d'exclamation, point d'exclamation. What? Bon retour parmi nous mon ami. Welcome back. Attends. Eh, maintenant j'ai trop. Eh, les gars, j'ai la sensi de Apex. Je peux plus jouer avec cette sensi maintenant. Souris. Merde, c'est trop en fait, hein, je pense. Attends. Oh là là, mon gars. Souris. What? Mec, mais... Putain, mais c'est dur en fait de trouver, hein. C'est ouf, c'est hallucinant quand même. Envoie l'argent. Hier, yeah. C'était mon anniversaire, Kappa Master Love. Ah, toi aussi! Moi aussi, c'était mon anniversaire, gros. Ah, c'est ouf. Ouais, on est trop des meilleurs amis, toi et moi. Bah écoute, je te propose que tu me fasses mon cadeau, je t'envoie ton cadeau. Ouais, en fait, elle est un peu trop haute, en fait, l'assassin, quoi. C'est pas grave.
Merci beaucoup pour le resub, le frérot sur Doug. En fait, là, les gars, pas que je meurs. J'ai là vraiment pas que je meurs, en fait. Ah, putain, il y avait ça, je l'ai pas vu. Ok. Tu veux t'es un octogone, on est sans règle. On attend l'heure, la date, le fuseau horaire. Salut, comment ça va? Sur le console métro Exodus est sorti. C'est une tuerie, t'es pas prêt pour vendredi PS14 mois à tout 24. Ah, je mets. Merci pour le reçu. Merci pour le reçu. Hey, que des têtes, 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 que des têtes. Mais il est trop chaud lui. Ouais, il faut faire 2033 avant de la slate. Ouais, en fait, c'est une suite, les gars. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'il faut voir Harry Potter 1 avant d'avoir vu le 2 et le 3. Oui, est-ce qu'il faut avoir vu le 2 et 3, le 1 et 2 avant d'avoir vu le 3. Bah oui, c'est une suite, en fait, tu vois. Oh là là, je suis trop chaud. Toujours un plaisir, c'est live snack. Ouais, c'est chaud lui. Tu vas me le payer. Merci pour le reçu. Genre des fois t'as le bizarre sur eux, mais ça les tue pas. Ah ouais, les champignons. Ah oui! Genre en fait elle vient de là leur bouffe. En fait c'est des champignons de culture. Merci. Et some ammo. Some ammo. Voilà. Ok. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit checkpoint ici? Oh non. On m'avait pas dit le... Le nounours. Non mais on a oublié le nounours en fait. On a oublié le nounours en fait, chat. On a oublié d'aller chercher le nounours. Merci Twist. Bébé, 150 balles. Je sais pas quoi dire. Toi et moi. Un jour. T'inquiète pas, on fera des bails. Merci Dakas pour les sub-tiers 2. Bon, merci pour les 7 mois sub-tiers 2 aussi. Alpha Calibre, merci beaucoup pour les 5 mois de sub. Merci Ebzu pour les 11 mois. Merci Obi Drake pour les 16. Merci Master Jumpman pour les 14 enfin, mois. Le sub, ça fait au moins et 5 mois Guignol, que j'essaie de les 3 pauvre. Mois. Plus que mon dano ne veut pas payer le sub. Merci et moi, je suis pauvre. Ouais, tu me l'as dit, ouais. Je sais pas si je serai dehors là. Oh yes. Ok. Go, hey, genre go le faire vite fait. J'ai des tas d'armes à vendre. En fait, y'a encore l'enfant là-bas, on est d'accord. Chut, ça va.
Rosa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon nounours. Calme-toi, mon chéri. On va trouver ton nounours. Allez, pleure pas. Où t'es allé aujourd'hui? Je voulais lui montrer. Le PC, c'est cool. Mais on m'a crié après. Alors j'ai couru. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Ok, j'ai compris. Alors on va reprendre notre investissement. Tirez droit. Les règles sont simples. Vous vous mettez en position et vous tuez toutes les créatures. Si vous y arrivez avant le signal, vous pouvez empocher vos gains. Vas-y, donne. Allez-y. Thanos. On ne dit pas Thanos. J'ai des couteaux super ici. Je les ai mis moi-même. Merde. Qui me suit? On parie quoi? Encore quoi? Joli tir. Je suis même d'accord pour 3. Il touchera jamais rien. Bon, super. Voilà votre gain. Vous montez la mise. En vrai, en fait, c'est une quête qu'il faut faire. Waouh! Il a réussi! Ah, c'est la chance du débutant! Ah, voyons, c'est bon, il y a un débutant! Encore en vie! Super! Voilà votre gain! Vous montez la mise? Oui, là, c'est la dernière, c'est bon. Mettez-vous en place! Venez les allumer! Non, mais. Attends, mais c'est bug! Non, putain, je répétais pas en fait. Hé, hey, toi, pourquoi tu fous ton pari en l'air? Il est vraiment pas dur! Je sais pas si c'est la différence entre ça et un balai! La prochaine fois, il va pas réussir. Il en reste 3. C'est bon. C'était impressionnant. Je sais. Voici un prix spécial pour vous. Des mines! Elles sont sacrément puissantes. Notre barbecue va être occupé un moment. Y'a plus de barbecue, si c'est ça en charpie. Voilà la dynamite collante. Merci. Allez, tiens, Wildy, j'ai trouvé ton cadeau. Mon nounours! Maman, il est revenu! Mais où t'étais passé? T'as bien mangé? Ne laisse plus jamais. Oh, merci mille fois. Je savais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on dit? Cette personne a aidé ton nounours à rentrer à la maison. Alors, qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci, vous êtes adorable. Simon a trouvé cet ours en peluche à la surface. Les jouets sont rares ici, comme vous le savez. Mon fils adore ce jouet. J'ai un autre jouet entre les jambes, si tu veux. Et si on rentrait à la maison maintenant? Je peux jouer ici encore un peu? Il veut jouer avec moi. D'accord. Mais pas longtemps. On va bientôt rentrer. Il veut jouer avec moi, je crois. Tiens, je rigole, c'est bon, calmez-vous. FBI, open up. Bad incoming. Merci à toi pour le sub. Bienvenue dans la Charlotte Army. Merci. Ma bite a des ailes. Ok, donc on a ma bite est grande, ma bite est des ailes. Ok, c'est cool. C'est bien, ça vole haut ce soir en fait, chat. C'est très cool. J'aime bien. FBI, open up. Un nouveau sub rejoint la Shadow Army. Alerte, les mines. Il est mort. Alerte. Il est mort. Vas-y, mais gros, mais on se au feu! Putain, ils ont le feu, gros!
Des vraies armes pour les vrais mecs. Achetez ici. Non mais j'en ai marre de cette IA en vérité, chat. J'en ai marre de cette IA, chat. Non mais il est super gros, c'est Shroud. J'ai l'impression que je me bats contre Shroud en fait. Deux contre un qui touche un truc. Super, voilà votre gain. Marché conclu. En position. Il a réussi. C'est la chance du débutant. Il va encore aller sur la d'un tir. Il en reste trois. Super, voilà votre gain. Vous montez l'ami. Elles sont sacrément puissantes. Je les ai testées moi-même. On dirait qu'il a jamais tué. Alors, encore grand-il. Hé, hey, toi, pourquoi tu fous mon pari en l'air? On dirait que t'es bien parti pour trois bouteilles. Pas question. La prochaine fois, il est trop nul. Encore trois, il va se planter, c'est sûr. C'était impressionnant. Voici un prix spécial pour vous. Les cibles durent généralement jusqu'au soir. Des grenades incendiaires. Notre barbecue. Ouais, c'est ça, Kraline, je te jure. Peut-être de genre de ces phases, ça n'a aucun sens, je te jure. Tiens, vas-y, mon ta mère, tiens, c'est bon. Mon honneur. Maman, il est revenu. Qu'est passé? T'as bien mangé? Speedrun de ouf. Speedrunner, le jeu. Le speedrunner français qui veut finir le jeu en any pourcent en moins de 2 minutes. Vas-y, ferme ta gueule, j'arrête pas. Merci. Merci. Ouais, ta gueule. Juste ton shotgun, celui-là, là. En fait, il fait trop de bruit, mon shotgun, tu vois. J'aimerais bien l'utiliser, mais si je servais, gros, t'es mort. C'est ce que je voulais faire. Super pété quand même. Ils ont comme mis une balle, hein. Elle dit non, c'est rien. Sûr, là. Genre pas du... So damn fast. Frère, ils font trop peur. J'ai plus de balles. Ah. Je les coince. Hold back. Merde, il est... Je trouve que c'est efficace. C'est efficace. Chat,
J'avoue que des fois, vous avez de bonnes idées. Par moment, je vous avoue que par moment, vous avez de bonnes idées. L'infiltration, c'est pas toujours la bonne solution. Il y a des moments où faut... Dis-moi comment il est mort, lui. Je pense qu'il y a des moments où faut juste... buckle of the game. Chose qu'on a faite. Ouais, non, mais des moments où l'infiltration, ça va deux minutes, tu vois. Au bout d'un moment, faut juste... voilà, quoi. J'ai pris la caisse au fond, là-bas. J'ai pris la caisse au fond. Non. Voilà. Nickel. J'avoue, il est cool, il crie « J'ai plus de balles !» J'ai en mode « Viens me niquer! Viens me baiser le cul !» Alright, man. Alright. I'm coming, bro. Regarde, comme eux, là, tu vois. Eux deux, là. Je sais pas ce qu'ils font, là, tous les deux, mais... C'est la bromance. Bro, I need a bad bromance. Da 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 da, rama rama ma, ya 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 Wildy, j'ai plus beaucoup de balles. Okay. No loot here? Really? Really, Wildy? There is no loot? Okay. On lâche. Main derrière la tête. Eh bien, quelle rencontre inattendue. On cherche le sombre, hein? Peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi, Hippolis. Mais c'est trop tard. Les sombres sont très forts. Le camarade Corbut veut en coincer depuis longtemps. Imagine si on les dresse et si on les lâche sur l'ennemi. Eh, doucement, doucement, d'accord, j'ai perdu. Et maintenant, tu cherchais le sombre, pas vrai? Il est tout prêt, à Oktiabroskaya. Je peux t'y amener. Pas d'embrouille cette fois. T'as ma parole. Pourquoi t'as attaqué l'entrepôt tout seul? Donc j'ai essayé de m'appeler. Bon. T'as réussi. Tu vas devoir dégager de là en vitesse. Je connais une issue qui mène à la surface. Il y a un marais, mais on peut le traverser. Le marais, c'est mon tartare, les gars. On y va. Le marais, les gars, c'est mon endroit préféré dans le... dans Paris. T'es venu par où, toi, en fait, là? Ah, pardon? Mais what? Mais t'es venu par où? Merci Blade Walker, merci Guignol. Ah ok, ah oui d'accord, ok super, ok d'accord. Le mec c'est trop chaud quoi. Coquin. Thank you. Enfile ça. Ah, genre on monte. Avec un peu de chance, les nôtres m'attendront à l'avant-poste dans l'église abandonnée. Je leur dirai tout ce que je sais. Sur Pavel. Sur une sorte de test auquel ils vont procéder. Et puis je poursuivrai ma route vers Oktiabroskaya. Le sombre est là-bas. Oh, on va à l'extérieur, enfin!
Depuis le temps que j'attendais ça, les amis. Nous y sommes. Le marais. En fait, ta combinaison moulante en cuir. La base est de l'autre côté, dans l'église. On la voit pas d'ici. C'est un radeau treuillé. N'approche pas de l'eau si tu tiens à la vie. Y'a quoi dans l'eau? Et voilà. Bonne chance, Arthur. Ah, genre, tu viens pas? Ne me ferme pas. Tiens, t'as quoi dans l'eau? Le sombre est à Oktiabrskaya. Rejoindre Oktiabrskaya. Trouver du carburant pour le treuil du ferry. Chat, est-ce que on peut tester la science, s'il vous plaît? Ok, je peux plus remonter. Si, je peux encore remonter. Chat, est-ce que je peux expérimenter un peu de science, s'il vous plaît? Chat. Oui, je peux. Ok. Eh bah c'est tout. L'homme. Ça ou quoi? Ah, il y a les master crevettes qui te pompent le dard. Ok. Je comprends. Ok, d'accord. En fait, il y a des crevettes dans l'eau. Ouais, non. En fait, c'était la science. Ok, maintenant je sais pourquoi faut pas aller dans l'eau. Non, mais c'est important, les amis. Ça ou quoi, son délire? Ça ou quoi, frérot? What's up? Évidemment les gars, vous savez, j'ai joué à Apex, j'ai joué à CS 1.6, j'ai un AIM plutôt développé, vous savez, dans mon domaine, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez des cours d'AIM, ça fait grand plaisir, pour le coup. Yeah. Ça fait grand plaisir que je vous aiderai à comment dire, à développer votre AIM. C'est par là ou pas? Non, attends, sans ton calepin. American Sniper, non mais tu sais, moi j'ai pas besoin de tout ça, hein. Moi j'ai juste besoin d'un pistolet, enfin juste avec... Salut. Salut, juste avec ça j'aurais pu le déglinguer, mais vous savez, voilà, au bout d'un moment... Thank you. Salut Wiz Wars. Merci beaucoup pour les 14 mois, ce délai, merci pour... Mais c'est qui ça qui fait du bruit comme ça? Je vous entends, putain, arrêtez, vous quoi? Oh. Salut bébé, ça va? Merci beaucoup pour le recep. Mais il meurt con! En fait, son bouclier. Oh, j'ai pas de shotgun. Oh non. Ah, j'ai une idée. Come here, bitch. Hey you.
J'enlève la visette. Ça y est, ça y est, ça y est, j'ai des gens avec vous. Putain de toi, brûle. Mec, elles sont increvables. Ah, mais faut les brûler. Wow, Ariel, t'es tellement belle. Attends, il se passe des trucs grave chou là, je comprends pas. Underground, fils de pute. Damn, mais c'est quoi cet endroit hyper glauque là? Mec, c'est le Mordor cet endroit là. Je déteste, c'est mon endroit détesté du jeu. Oh là là, mec. Il sait looter. Il sait looter, mesdames et messieurs, il est fort. Je déteste cet endroit, je vous le dis. Chat, j'espère que vous savez, je déteste cet endroit. Je déteste cet endroit, il est vraiment pas... Ah, mais c'est pas Apex, on peut pas escalader. Ah, c'est pas comme Apex, je savais pas, chat, tu vois, j'en apprends tous les jours. En fait, t'es pas obligé de les tuer en vérité. Ah, y'a un truc là, non? Eh oui. Heureusement que ce joueur maîtrise ses pulsions sexuelles. Attends, elle est où là que je la crame parce qu'il me reste une grenade à récupérer. Elle est où? Come here, bitch. Feels bad, man. Les balles. Quoi les balles? Tchat, on peut recommencer, on peut recommencer. Attends. J'ai tiré combien de balles avec ça? Attends, j'ai tiré combien de balles avec ça là? Genre tout à l'heure quand j'ai full, j'ai tiré avec ça? Non, j'ai pas encore tiré avec, on est d'accord. Ok, zéro. J'en ai tiré zéro, ok. Bah là, tu brûles? Cet endroit est trop glauque pour moi. J'entends un bruit chelou de ouf.
Non, j'aurais pas dû le prendre maintenant. Je suis mort. Yo, Xito, comment vas-tu, bébé? Ah ouais, c'est des bites fouetteuses, je me rappelle. Il y avait ça dans le 1 aussi. Une sorte de bite qui se déplie et qui te met des coups de fouet. Ça me rappelle mon daron, quand j'étais petit. C'était pareil. Il avait une grosse bite et en fait, il me foutait avec, c'était ouf. Moi, j'aimais pas trop ça, tu vois, mais... Il disait que c'était pour mon bien. Yo, ça va? Je viens de regarder le Nintendo Direct. Ils ont annoncé qu'ils seraient battus le Royal, le joueur qui est derrière. Ta mère. Ah ouais, ça one shot le feu en vérité. En fait le feu ça brûle de ouf. Ouais, non mais j'ai pas oublié le journal, t'inquiète. T'as vu, c'est une bite fouetteuse. Je t'avais dit hein. Non, mais je connais le jeu les gars, Attends, je vais voir si j'ai rien oublié là-bas. Là. Encore des mythes fouetteuses partout. Oh là là, mon dieu. Là. C'est pas possible, on peut monter là. J'avoue que c'est un obus ça. Hey. The loot. Mais. J'étais morte moi. Mais alors. Mais dis donc. Tu viens plus aux soirées là? Elle est morte. Ouais, l'eau ça mouille, c'est relou. Mais je sais pas s'il y a un jeu où l'eau ça mouille pas. Parce qu'en fait, ils ont voulu faire ça assez réaliste et comme dans la vraie vie. Ah, j'aime pas ce bruit par contre. J'aime grave pas ce bruit. J'ai aimé le jeu jusqu'au moment où ça fait boum. Eh oui. Moi aussi, je sais faire boum. Ah, je suis venu ici. Ah, je l'avais pas vu. Je comprends mieux pourquoi ça a fait boum. Et chat, c'est bien ça?
Chat, chat, c'est genre, elle est bien cette arme, je la prends ou pas? Bon retour parmi nous, mon ami. Ouah, j'ai tellement sué, je suis tellement costaud, putain. Je suis pas bien que ce jeu, c'est loser, merci pour les 5 balles, ça va. Je vais te regarder le Nintendo Direct, ils ont annoncé Tetris Battle Royale, le no joke. MDR. Non, vraiment, un Tetris Battle Royale? Ils ont vraiment annoncé un Tetris Battle Royale? Pour de vrai? Prends-la, oui, prends-la. Mieux que pistolet, c'est sûr. Non, mais mieux que... Attends. Elle tire quoi, comme balle? En même temps, j'ai des armes qui tirent la même balle, là. Allez, allez. Encore des bites fouetteuses, c'est pas possible, ça. J'en ai marre de me faire fouetter. Alors, on fuit ? Bande de petites putes ! C'est quoi les bails ? Attends, chat ! J'ai pas oublié le manuel là-bas, là, par hasard ? Ouah, c'est vrai, je l'ai tué ! Putain ! J'ai pas oublié, y'a pas un manuel là-bas que j'ai oublié, si ? On est d'accord, hein ? Attends, je vais le chercher. Alors ça fuit, petite chienne. See daddy. Wesh, tu meurs quand là? C'est pas le sniper quand même, enculé. Attends, pousse. Attends. Tu sais quoi, je vais recommencer. Genre parce que j'ai fait de la merde. Ah, j'ai une clé mort, sérieux?
Excuse-moi, Clément. Mais tu brûles! Mais tu brûles! Tu m'en boucanes, tu brûles. Tu brûles, tu m'en boucanes. Il est où? Tu crois que c'est la fin du combat? C'est quoi t'accent de... C'est quoi t'accent éclaté? C'est l'accent du sud. Oh non. At this moment, Nathan knew. He fucked up. Putain! Fuck, j'ai... En fait, faire tout le tour, mais... Ok, vous savez quoi? J'ai mes balles encore, j'ai toutes mes balles, toutes mes dents. Venons prendre le document et on se barre. Parce qu'ils sont relous en fait, eux là. Voilà. Oh, j'ai raté une note à Venise. Oh zut. Quand il veut mourir, il galère. Grave, je jure, en fait, quand je veux pas mourir, je meurs direct et quand je veux mourir, je galère de ouf, tu vois. Crépuscule. J'ai l'impression d'être entré dans un tourbillon, des événements que je ne comprends pas se produisent tout autour de moi et m'entraînent soudainement... indéniablement vers le fond. Où que j'aille, tout le monde autour de moi ne parle que de la guerre. Certains se préparent pour elle, d'autres la fuient. Melnik, le Führer et Moskvin, les gens du théâtre et les réfugiés de la ligne rouge, l'air humide et rempli de roues du métro... L'air humide et rempli de roues du métro... sans le sang et la faim. Sans le sang, putain. Sans le sang, t'as compris. Le sang de la veine, sentir et tout. Ce n'est pas ma guerre, colonel. Je me demande si rien ne peut être fait pour l'éviter. Colonel. Tu as un peu bouchant, colonel. Pardon. Des dons. Ah oui, les dons les gars s'il vous plaît. Je dirai jamais assez mais faites des dons, absolument. Alors... Ah, ça... ah bah on crache dessus maintenant. Bah oui, bien sûr. On crache sur Bibi. Faut aller par où là? Ouais, j'y charge. Non, mais sérieux, mec, il me quitte le feu. Tu peux brûler, s'il te plaît, merci. Et toi, là, meurs aussi, s'il te plaît. Ok. C'est par où, monsieur, le guide touristique? Ah, c'est par... Ah, bah, c'est par là. Bah, faut suivre les drapeaux, au bout d'un moment, monsieur. Ah, bah, on va pas tout faire pour vous, ici. Quoi, attendez, trop tôt, je me suis mangé des lits et tout, j'ai pas compris. Attendez, laissez-moi looter d'abord. Voilà. Voilà. Tu veux bleu au soir, là? Ok. Ah, l'asthme, c'est ça, l'asthme, c'est pour bientôt? Ouais, c'est bientôt l'asthme, les gars. Là, y'a rien, je suppose. Ah. Ah, mais faut trouver de l'essence! Mais oui! Je trouve l'essence, les gars! Mais pourquoi il attaque aussi là? Lazim! Je vais
ta mère. Sagi. Tiens, j'en ai marre, il me soulève. Il me soulève comme si j'étais sa meuf. Frère, il me soulève comme si j'étais sa meuf. Y'a pas une commande? Commande, point d'exclamation, laissez-moi tranquille. Ah, c'est bon, je suis à l'abri là. C'est bon, ta gueule. C'est par là-bas? Ah, dans l'avion! Faut être dans l'avion, chat. Ok. Ah mais faut que j'use des clés morts pour... Oh, oh non. Non, sérieusement, on peut pas ouvrir des caisses? Non. Mais non, game, t'as pas le droit. Oui, je sais que faut que je prenne le baril, je sais, les gars. Mais tiens, t'as pas le droit de faire ça. Game, pardon, pas chat, game, pardon. Chat, vous êtes pour rien en plus. Chat, vous devez être en mode... Mais, la coup, nous, on a rien fait, quand même. Tu oui, force d'ouf, putain. Tu sais, les meufs, elles disent... Meuf, quand les meufs, elles disent non, les gars, faut pas forcer, tu vois. Genre, ça, il est, tu sais. Et lui, c'est un forceur. Tu vois. Mec, j'ai une image de la Russie. J'ai l'impression qu'en Russie... Il y a des mecs roulent en tank, que tout est comme ça détruit, et que les avions se crashent tout le temps. Genre, je sais pas si c'est moi, mais moi j'ai cette image de la Russie. Quand je pense à la Russie, je pense à Métro, je pense à Escape from Tarkov, je pense à Stalker, je pense à Tchernobyl, je pense à tout, genre que le mal. Je sais pas, Jack, je sais pas si on est vers la fin ou pas. Je pense qu'on doit être pas loin de la fin en vérité. Bizarre lui, il a voulu forcer l'entrée. Mais ça marche pas. C'est bon, faut retourner là-bas, on est d'accord, ouais. On y va. Speedrun. Speedrun. Le speedrun français qui clairement montre. Ah non, j'ai compris. Ça va être un boss. Chat, ça va être un boss. En fait, dès qu'on va remplir ça, tant que le truc il arrive, on va se fight le boss. Ouais, ça va être un boss, je crois. Voilà, et là tant qu'il arrive, will be le boss. Sûr. Viens. Boum. Underground, fils de pit. Quoi? Ah merde, las. Ah y'a, c'est qui ici? Après je suis comme ça là. Fils de pute.
Underground, fils de pute. Trop bien ça. Je suis juste trop fan de Claymore. Ah, lui c'est le boss, c'est le boss, c'est le master. Viens. Boum. Oh, il se fight. Le combat des titans. Oh, il veut le soulever. Viens, viens, enculé, viens. Ose me fighter. Ose me fight. C'est le père d'Artium. En fait, c'est le père d'Artium. Aïe, putain, mais j'aime pas qu'on crache sur la gueule. C'est le papa d'Artium, en fait. Combat de kaiju grave, je te jure. Pacific Rim 4. J'ai fait beaucoup de bruit en avançant dans les marais. Dans le marais. Si les nôtres sont vraiment dans l'église, je les retrouverai bientôt. En même temps, peu de gens aiment ça. Ah, mais il y a des gens qui aiment bien se faire cracher sur la gueule. Hein. Je suis pas là pour juger. Hein. Je l'ai vu. Y'a pas du loot là ? Ça va plus vite, ça va plus vite. Il est parti, mon papa. Mon papa, c'est le plus fort. Parce qu'il m'a protégé contre un méchant. Oh, le retour de l'asthme, les gars. Bon, j'ai compris, Anna. Pas te la boucler, Anna, un peu là. Tu me casses la tête en vérité. Je dois looter, Anna. Tu sais que ma mission est de looter. Calache, comment tu ça va quoi? La technique de speedrun, grave, toujours. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Quand... Oh, c'est une bite. Oh, c'est une bite qui m'a frappé là comme ça. Oh, la salope. Putain, je savais que les bites c'était pas fiable. Ça fait mal. Mais on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne. Non, non. Y'a du loot. Là-dedans, y'a Wally.
allume le courant. Et c'est l'asthme qui est de retour. Non, non. Pas mal. Pas mal. T'avais pas de piège là, j'espère qu'il y a un piège encore. Merci beaucoup Jules. Bonne Saint-Valentin les amis à vous toutes et à vous tous. J'espère qu'en tout cas vous passerez un bon moment en compagnie de votre chère et tendre moitié. J'espère que vous l'avez trouvé. Il y en a qui l'ont pas encore trouvé là moi cette moitié. Je parle pas pour moi, hein, vous savez que je suis un homme entier, hein, j'ai pas besoin de moitié. Mais il y en a qui n'ont pas de moitié. Voilà, il y en a qui sont nus, ok? Cul nus. Bref, on s'en fout. Si cette île souterraine se laisse emporter par le torrent de la guerre à venir, tout sera perdu. Les balades en gondole sur les rivières souterraines, les nageurs, les pêcheurs, les magnifiques galeries d'art inutiles, tous ces enfants qui ont grandi dans le noir mais qui brillent avec la lumière de l'espoir, il ne restera rien, plus qu'une vieille station carbonisée, et ensuite ce sera autour de tout le reste du métro. C'est beau. On est à moitié. Mais oui, je sais que vous êtes à moitié. C'est pour ça que je serai pour vous tous les soirs. Parce que si vous étiez pas ma moitié, je serais pas là en train de vous streamer pour vous tous les soirs, chat. Non, pas ce que je voulais faire. Ah merde, ok. Faut se barrer d'ici en fait. Plus de soins, genre. Oh bon! Ok. Il va dans des endroits inaccessibles. Bah alors? Tu es bleu aux oies, là? C'est trop malin, c'est con. Je l'ai tué ? Oui, je crois. On peut sur toi ? Oh, c'est ouf si on pouvait sur toi. Point qui lumière. Merde. Et merde. Ok, c'est par où? Attends, j'ai raté des trucs là-bas, sûr. Oui, il y a des trucs ici. Sur Uli. Wow. Mec, mais c'est quoi ce niveau de ouf en vérité? Attends, mais faut pas que je me jette là, on est d'accord. Faut que je passe de l'autre côté en vérité. Chef. Pourquoi je peux pas le prendre alors? Ah c'est bon.
Oh non, en fait, la lumière les attire, c'est ça? Vas-y, ta gueule. Oh merde! BG Alex, bonne nuit frérot. Ou je sais pas ce que tu fais. Ou salut. Ça va quoi, beau gosse? Putain, je suis sûr que j'aurai tellement de loot en vérité parce qu'il faut faire un fallite parce que j'ai pas beaucoup de gaz. Et toi, il me reste combien de temps? Il me reste. Il me reste zéro. Les gars, je vais mourir. Faut que je trace. Amenez la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. Je vais mourir, ya Willy. J'ai plus de bonbonnes. Non. De bonbonnes. Oh, c'est bon, une minute. Tiens, une minute, ça veut dire que j'avance vite en vérité. Oh non. C'est moi qui fais ça. On the ground. Une minute. Pêche partout, j'aime pas ce passage, il est dégueulasse sur le jeu. Ok, deux minutes. Mais en fait c'est obligé à continuer, de pas t'arrêter. Tu vois, en fait, j'ai perdu trop de temps en fait. Je pensais que j'avais au moins 20 minutes de gaz, mais pas, enfin, de masque, mais pas du tout. Déjà. Bon, ça save. Ok. Il est con! Bisous dans le bandit pass! Bonne nuit, prends soin de toi, va bien. Yo Dylan, yo tout le monde, appuie sur N-Snake. Lampe. Ta lampe, les ramène. Ah. That's why. Pourquoi vous m'avez pas dit ça depuis le début, les amis? Ça m'aurait vachement aidé. Non, j'ai connu, en fait, je savais, mais. En fait, genre, j'aime pas trop la gueule de la. En fait, quand tu t'approches comme ça, en fait, ça fait une lumière blanche, c'est dégueulasse. Genre, c'est relou. Et j'aime pas en fait cette lumière blanche. C'est pas que j'aime pas le blanc, hein, mais c'est que voilà quoi. Bon voilà, j'ai traversé. Tu vois genre... Allez mon gars, viens par ici. C'est relou. En fait, genre, comme ça on voit mieux. Même sur, je pense que vous aussi vous voyez mieux. Alors que regardez comme ça... Allez, tu vois, en fait ça fait une... En fait, genre même si ma lumière est éteinte, elle est pas allumée, ma lumière. Hein. Elle, non mais, merci chat. Non mais, tu vois, il fallait que je le précise, tu vois. Genre, en fait, vous croyez que je suis con au point d'utiliser une JVN avec de la lumière. Genre, please. Allô. Merci à toi. Allô. Allô. Bienvenue dans la chambre pour moi. Mais pourquoi tu enlèves pas des lumières avec F?
Ok, je répète une dernière fois pour les Mongols qui ne comprennent toujours pas quand je parle. La JVN, quand tu la mets, elle a une sorte de lumière centrale, une lueur. Ok, regarde. Tu vois cette lueur, ok? Là, j'allume la lumière. Là, j'éteins la lumière. J'allume, j'éteins. Je le prouve. Allumé, ok? Éteint, ok? Je fais N. C'est bon? Vous avez compris? Ok. Et en fait, j'aime pas cette lueur, en fait. Parce que du coup, tu vois rien au sol. Tu vois rien. Genre là, s'il y a un truc, je le vois pas, tu vois. Alors que du coup, si tu fais ça, là, c'est mieux. Tu vois, je préfère comme ça, en fait. Bref, on y va. Il faut toujours des Mongols. Mais ça coupe, pourquoi tu n'as pas de la lumière? Ah, tu savais pas? Je pensais que la JVN, il fallait mettre la lumière. Merci, copain. Ah, bah, je savais pas vraiment, moi. Bon, vous savez, le vidéo, je savais pas vraiment. Moi, je viens de Fortnite. Quel grand? Quel... Il est où grand? Pas de grand. Allez. Ah si, il y a des grands. Portal. On doit vraiment se fight là? Bingo. C'est bon. Tu passeras pas par là. Sale. Putain de grand. Pour cette tête de lumière, même si c'est ça. SLT, merde, continue de live comme ça, je vous l'ai dit, va faire. Le monde qui merci à tous, le monde qui m'a dit bonne chance, et j'espère qu'elle dira oui, et si ma coup continue, ok. Mais alors, Benjelex, en fait, pourquoi ils t'ont dit bonne chance? Parce que tu veux dormir ou parce qu'il y a un truc, j'ai pas suivi en fait, désolé gros, hein, genre j'avoue que j'ai pas trop suivi le pourquoi du comment, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Allez. On traverse directement. Ah bon, Lolo, ça me fait aller de l'autre côté. Ah, tu vas donner ta copine en mariage. Ok. Nice. Mec, tu sais que... C'est vraiment un truc de ouf, ça, par contre. Hein. Parce que t'es dans la merde, après. Bon courage, frérot. C'est bon courage, en mode... Non, je rigole. Non, en fait, c'est bien. Félicitations, frérot. C'est le but, c'est le derrière d'une vie. Go, go, go. Oh putain! Ah, mais il a le grand! Mais ça l'a bugué tout à l'heure, oui, d'accord! Bien! Attends, elle a pas encore dit oui. Ouais, mais gros. Attends. Genre, on est d'accord que tu vas pas demander ta copine avec qui t'es, genre, depuis 3 mois. Allez, Béjalex. On est d'accord que ta copine, tu la connais, enfin... Ta femme, tu la connais depuis pas mal de temps, on est d'accord. Attends, on peut pas remonter facilement en haut, là, pour que... Putain. Mais parce que, en fait, vous dites ça comme si, tu sais, genre, en fait, il venait de la connaître. Mais tranquille, tu vois, genre, elle va dire oui, tu sais. Comme si elle pouvait dire non. C'est quoi là-bas? Bah 6 ans, non mais c'est bon. Large, gros, c'est bon. Attends, on peut pas niquer le game, genre en mode... Mais oui, mais... S'ils sont 6 ans ensemble, tu vois, c'est bon. Tu sais que moi je crois là, genre on a réglé 6, hein.
lâche pas, non. Ah, voilà. Bingo. Il arrive. Regarde-le. Il vient de ici. Dites-moi qu'il y a un checkpoint, s'il vous plaît. Chat, dites-moi qu'il y a un checkpoint. Quand t'étais tout là-bas, j'ai failli te tuer aussi. Ça t'aurait appris à répondre aux messages radio. Mais je... J'ai senti que c'était toi. J'espère que tu me pardonneras pour les jardins. La chatte de ouf. Oh, j'ai une chatte de ouf. Oh, j'ai une chatte de ouf, chat. Oh, j'ignore pourquoi, mais j'étais vraiment heureux de voir ma partenaire Anna. Cette peste. Elle a finalement arrêté ses drôles de blagues. Elle a peut-être honte d'avoir laissé son partenaire sur le champ de bataille. Ah ouais. C'est celle du début là, vous vous rappelez? Tout début du jeu. La sniper. Je te prenais pas au sérieux avant. Mais Hunter, il a su te lire dès le départ. Il t'a fait confiance. Il m'a fallu plus de temps. Je comprenais pas jusqu'à ce que je te voie à l'action. Et j'ai failli te faire tuer. Tu me facilites pas la tâche, Artyom. J'arrête pour l'instant. Allez, prépare-toi. Les gars vont bientôt arriver et on va tous partir pour Oktyabrskaya. Ça existe des bots comme ça, là? Si demain je dois avoir une fille ou un garçon, je choisis quel prénom? Mec, c'est pas moi de choisir le prénom. Si tu me poses une colle, là, tu poses une question trop, beaucoup trop compliquée. C'est aux parents de choisir le nom, c'est pas à moi. Genre, dis-toi que si j'avais une fille ou un garçon, je saurais même pas comment le nommer pour te dire. C'est pas... Je peux pas te dire ça, tu vois. C'est... Au fait, un marchand d'armes ambulant... Bonsoir, Tinaki. Ça fait un bail. C'était un bon live, bisous. Lourd. Achetez des armes. Alors, quoi de neuf? L'équipe de Stalker arrive. Elle devrait être là dans moins d'une heure. C'est de la grande qualité. Impeccable et efficace. Efficace et pas cher. Je peux en acheter ou pas? Ça coûte 5 Ces balles! Ces balles sont excellentes, je les ai faites moi-même. Comment va la situation internationale? C'est incroyable. Vous pouvez être sûr qu'elles vous lâcheront pas, c'est les meilleurs! Mais ta gueule, putain! Et le mois dernier, j'ai eu 5 Ces couteaux sont parfaits, ils sont en acier à ressort. Au revoir! On le savait déjà. Mais qu'est-ce que tu sais sur New York? Je sais rien sur l'eau. Mais il y a une ville au nord. Polir, Missouri. Il y a une centrale nucléaire. Des gens ont survécu. Je leur ai parlé. Chat!
l'arme là, la sorte de P90, enfin ou la sorte de Hoxter là, elle fait plus mal que le l'AK? C'est ça, en fait je nommerais mon fils boy, c'est un garçon, et girl c'est une fille, tu vois. Pas commencer à chercher des prénoms relous quoi. Ouais, en fait là, celle-ci fait plus mal que celle-ci. Tu devrais écrire des pièces sur notre triste existence et les faire jouer au Bolshoï. Ouais, il y a la RPK qui est cool, mais la RPK, tu peux pas mettre de silencieux. La RPK, elle est où? Elle est là. Mais la RPK, tu peux pas lui mettre de silencieux, c'est ça ce qui est chiant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une arme, c'est un fusil d'assaut, tu vois. Dans ce cas-là, vas-y, je dois changer, je prends une RPK. Genre la RPK, attends, la RPK fait plus mal que la Kalash 2012. Non, mais bien la cadence de tir et des plus gros chargeurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Snap silencieux. Ah ouais. Attends, c'est la Saiga. Attends, c'est la Saiga ça ou j'ai rêvé? Ah ouais, c'est la Saiga. Juste à la forme, je l'ai reconnu. Personnalisé. On peut mettre un silencieux. Ah. Optique. Ok. C'est pas un silencieux, c'est un cache-flamme. Réduit le recul, mais le rend ainsi la précision. Supprime la flamme du moment qui s'avère très aveuglante dans les tunnels sombres. Ça sert à rien. Et ça. Chargeur étendu permet de tirer deux fois plus longtemps que le fusil, mais il rend l'arme plus encombrante. En fait, le sniper il te remet comme il est, tu vois. Genre, on peut pas le rendre silencieux, donc c'est très bien, tu vois. J'ai hâte pour nous mettre pareil, Chalo. Il sort vendredi, là. On est dessus vendredi, les gars. Vendredi chat, on est dessus. Info ultra sûr. Garde-le, il a plus de balles et plus de cadence, ouais. Mais alors, du coup, je veux pas deux armes identiques, tu vois ce que je veux dire? Je veux... Là, j'ai trop autre chose, en fait. Ouais. Je sais pas. Ouh, non, je peux mettre charge étendue sur la K. Oh, auquel cas... Auquel cas, je vends l'autre là. Tu vois, je mets chargeur étendu ici, tu vois. Et je remplace celle-là par la RPK. Elle coûte combien la RPK? 135. Et celle-là coûte combien? 173. C'est-à-dire que si je les change, je vais pas pouvoir. Si je fais ça, coûte 67, tu vois. Autant le faire en fait, tu vois. Garde la K et prends la Saiga. Ah, pour avoir un pompe, genre. Ah, j'avoue, c'est pas con. Oui, c'est parce qu'en fait, si tu veux, Steven, en fait, le jeu, ils l'ont acheté en version boîte sur PS4 ou Xbox, et du coup, ils ont déjà le jeu. Mais sur PC, non, impossible. La Saiga Stalker ou Metro l'ami? Comment ça? J'ai jamais joué à Stalker, Neymar. On fera peut-être Stalker après Metro Exodus, tu vois. Si on filme, quand on filme Metro Exodus, on commencera sûrement la saga Stalker. Pour un format pour le coup. Non, pourquoi chargeur étendu à 60 alors que la calage de 2002, c'est gratis? Oui, mais en fait, je veux pas. Là, j'ai deux armes identiques. J'ai la calage et la K, tu vois. Elle tire en fait les mêmes. Attends, laisse-moi voir un truc. Personnalisé. Ouais. Ouais, mais j'aime pas. En fait, elle tire les mêmes trucs, elle tire les mêmes balles, c'est chiant, tu vois. Elle tire les mêmes balles. C'est relou. Et du coup, je préfère avoir un pompe. Genre, je préfère avoir le Saiga. Fusil à pompe automatique d'avant-guerre est très fiable, offre une cadence de tir élevée, ce qui en fait l'arme idéale pour éliminer les groupes de mutants. Saiga, c'est un pompe semi-auto-prend. Ouais, mais grave. Non, mais c'est sûr, je le prends. Kalash contre Saiga. Oui. Personnalisé. Je vais mettre un gros viseur, je vais mettre un petit viseur comme ça, tu vois. Même pas, tu sais quoi, je vais même pas mettre de viseur. Un silencieux dessus? Non, même pas. Ouh, gros chargeur.
J'avoue. Non, tu sais quoi, genre je vais laisser comme ça au cas où en fait c'est de la merde. Par contre, celui-là, je mets le gros chargeur. D'accord. Ce chargeur pour mitraillette légère peut contenir le gain hebdomadaire d'un ranger et offre un tir soutenu plus long et avec moins de recharge. Done. Oui. Ok. Nickel. Merci monsieur. Ah du coup on a le Saiga. Propre. Très propre. T'es déjà allé dans les catacombes ? Salut. C'est des catacombes vraiment très anciennes. Et très sombres. Je sais pas quand elles remontent. Elles ont même survécu aux bombes atomiques. Des gens de l'église s'y sont cachés pendant la guerre, mais ils ont Darkwing. Disparu. Je viens de voir ton. Ils auraient pu aller dans les tunnels du métro ou. Les gens racontent des trucs en fait. Tu parles de la vie de Mama ? Qui ça peut bien être ? Waouh, vous êtes rapide ! Vérifiez. Au cas. Big Mot de passe. Big Mamas. C'est plus ça. Merde. Je la resitue pas. Ce serait pas. Ton pied. Bruh. J'avoue. FBI, open up! Espèce de sale traître! Anna, quelle bonne surprise! Je ne suis pas un traître. Je n'ai jamais travaillé pour vous. On va embarquer celle-là, c'est ça. Allez! Non! J'ai compris. On doit fister le game. T'as des balles qui parlent? Ah, mais du coup, il est mort le vendeur là-bas là? Thank you. Come back anytime. Rip la Saiga. Ah non, elle est là. Elle est là. Tu sais quoi, on va me tester maintenant. Savent pas dans quoi ils se sont embarqués. C'est pas moi qui suis enfermé avec vous. C'est vous qui êtes enfermé avec moi. Merci. Comment on fait pour être. Comment on fait pour plus être sub? Je suis sur mobile. Ah, Gélex, t'es un bâtard. Tu veux déjà des subs? Mais c'est même pas toi qui es sub. On t'a offert un sub. Et tu veux des subs? Ah ouais, donc lui en fait, il est. Lui, il veut vraiment pas sub en fait. Merci beaucoup, Momo.
Ça, genre, de loin, je pensais que c'était un chargeur grande capacité, tu vois. Ça, là. Ah, je peux pas mettre mes JVN, putain. Je pensais que c'était un chargeur grande capacité, de loin. J'allais dire, oh putain, lourd. Mais non. C'est le deuxième métro. C'est le deuxième. On a déjà fini le premier. What? Trop bien. Trop bien. Est-ce qu'il a l'allumage Wi-Fi? Eh oui, c'est hallucinant. Ce jeu ne cessera donc de m'impressionner. Allez, l'OM. What? Il a disparu? Ah, c'était une vision, genre. What? What? Tu pécho grâce à ta belle voix? Ouais. Ma maman me dit que t'as... Maman me dit que j'ai vraiment une jolie voix. Mais une fille m'a jamais dit ça. Les mecs, généralement, je fais plus d'effet aux mecs. Je sais pas pourquoi. Chat, ça vous rappelle quoi, ça? Ça? Ces mécanismes, ça vous rappelle quoi? T'as pas juste ta voix qui est belle. Oh là là. No crow, merci bébé. Par contre, c'est chelou que ce soit des mecs qui me fassent des compliments. C'est relou, quoi. J'aurais voulu, tu vois, que ce soit des femmes. Ok. Ah, twist, exactement. Tomb Raider, pas du tout. God of War. Genre, en fait, t'sais, avec la roue, là. Tu sais, il fallait tourner. Et après, tu jetais le truc, tu vois. Tu chutais pour la geler. Ah oui, la base. Mais vous êtes pas des vrais, hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué, quoi. Tomb Raider, putain. On aura tout vu, quand même. On aura tout entendu. Tu fais plus d'effet au mec, c'est normal. Vrais reconnaissent vrai. Je pensais que c'était de l'eau. C'était bleu, je pensais que c'était de l'eau. Donc tout ce qui est bleu n'est pas de l'eau. Merde. Ok. D'accord. Non. Putain, pourquoi fait ça? Pourquoi? Chat, vous auriez dû me dire, il n'y a pas de checkpoint là, j'aurais pas fait ça en fait.
séance de merde, je te jure, grave. Casse les couilles cette séance. Merci Darkwing, comment ça va, Yassons? Eh, les bruits, on dirait pas le serpent monde quand il parle. Darkwing, merci bébé. Allez, arrache ta gueule. Non, j'ai mal aux yeux. Mais ça va. Ah, ça a gassé le feu. Meilleure arme du jeu, les gars. Meilleure arme du jeu. Hein. Je sais pas qui m'a dit. Putain, tu vois, justement, tu joues à Apex. Que là, j'ai envie de glisser, tu vois, comme ça. Chut, tu vois, comme dans Apex. Toujours Apex. What? Rejoins la Shadow Army. C'est pas possible, ce mec offre des subs à tout le monde. Mais il est fou. Mais arrêtez-le. Arrêtez-le, Darkwing, arrêtez-le. C'est pas possible, merci beaucoup, poteau. Darkwing, il va faire 4 ce soir. BG Alex, Yassons, Spirit LOL, 7T, La Centrale. Bienvenue à vous, guys. Merci beaucoup, Darkwing, pour ta générosité. Merci, Medimen, pour le sub. Merci, BG Alex, du coup, pour tes 3 balles. Merci, Zekstor, pour le Prime. Lord Evilix, merci pour les 4 mois. Mamadou LOL, merci beaucoup pour les 4 mois. Merci, vroom vroom, tout le monde fait des dons. Merci MX Gizmo pour les 19 mois. Bienvenue à vous, guys. J'en profite vite pour remercier les autres. Bébert, merci pour les 9 mois. WizWars, CSGO, merci pour les 14. Sodir, les 10 mois. Le Toulouseng, les 8 mois. Blade Walker, Mabit, ADZ, bienvenue à vous, guys. Merci pour, beaucoup pour les primes. Guignol, je l'ai vu. Maxou, je l'ai vu. Master Jobad, Obi Drake, tout le reste, j'ai vu. C'est bon. Ok. Merci beaucoup, les gars, pour le soutien. J'apprécie. Alors, ça fuit, c'est ça. Merde du jeu. Attends, ça tire une balle, on est d'accord. Attends, 11. Ah ouais, l'autre, elle tirait 2 balles par 2 balles. Oh, meilleure arme du jeu, info sûre de ouf. Je finis le jeu avec cette arme, hein, je vous le dis. Eh, on va la full modder. Je mets chargeur grande capacité. Eh, je suis coincé. Non, c'est bon. Et je vais la full modder. Chargeur grande capacité. T'inquiète même pas. On va shot loofy. Non, mais les gars, soyez un peu écolo aussi, là. Vous laissez des lumières allumées, c'est chiant, quoi. Je veux dire, tu sors chez toi, tu éteins la lumière. Ah, j'avais raison. Le bleu, c'est de l'eau. Tu vois? Chat. J'ai raison. C'est quoi ce gros bruit? On dirait un dozo. Vous vous rappelez des dozos dans le 1? On dirait un dozo. Et j'aime pas trop ce bruit, en vérité. Tellement God of War. Boy. Tu sais, je m'apprête à le croiser comme ça, tu vois. Genre, je vais comme ça, lui, il va comme ça, tu vois. Et il va dire: Boy, where are you going? Artyom. Go. Attends, c'est par où? Ok. Go, on parle. Break, comment vas-tu? Ça va, toi? C'était Talos. Ah non, encore ça. C'est, en fait, je comprends pas c'est quoi ces zones. On dirait des zones, c'est de. Ça, j'ai pas de lumière non plus. On dirait en fait des zones de. D'énigmes. D'instabilité. Attends, de bons souvenirs, Peter Pan.
Ouais, c'est Jésus, ça, on est d'accord, non? Les interactions dans le jeu, elles sont faites tellement baisées des fois. The loot, ladies and gentlemen, give me the loot. Attends, là, on vient de la monnaie, on est d'accord. Ouais, c'est là où, ok, d'accord, nickel. C'est pour savoir, en fait, c'est dans ce sens. En fait, on a fait un petit C ou un petit U. Comme vous préférez. Attends, tiens, j'ai une question. Le fait d'avoir, lui, là, les bougies, là, sur l'hôtel... Est-ce que ça a contribué en fait en ma faveur pour la fin secondaire ou pas? Est-ce que du coup ça m'a donné des points positifs? Non? Est-ce que juste le fait d'avoir allumé ces bougies fait en sorte genre de que tu fais genre entre guillemets une bonne action, c'est ça? Genre une sorte de sépulture, un truc comme ça, c'est ça? Oui? Ok. Stylé. Mais... What? Je comprends pas. Wow. Putain, rends-le-moi. Salut, c'est Valentin, c'était un bébé. Merci beaucoup pour le resub, le frérot sur Doug. C'était un petit jumpscare. Taillou, déglingue ça au gars bébé. Tu comprends ça, Valentin? Gélex. Merci pour le prime. Bienvenue toi, frérot. Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On est le 14. Ouais, c'est aujourd'hui. T'as eu un carnage ici. Damn. Attends, chargeur grande cap là sur cette arme. Ça veut dire que je vais avoir combien de balles là? Là que je vais en avoir 200, c'est pas possible. De soin. Okay.
Ouais, mais t'as avec quoi en fait? Ah, ça, ok. J'ai une question. Quand on a Prime, est-ce que c'est d'un coup reçoit l'argent? Mais bien sûr. En fait, non. Il faut que tu claques tout Prime ici, tu vois. Par exemple, je sais pas, si tu prends Chevex, tu vois. Tu remontes en haut, Chevex, tu sais, il y a... Ça s'abonne avec Twitch Prime, tu vois. Là, oui. Tu vois. Là, dans ce cas-là, je perds sur l'argent. Par contre, si t'as juste Twitch Prime, non. Ça me fait rien, tu vois. Faut que tu le dépenses tous les mois ici. Hein. Après, tu peux le dépenser comme tu veux. T'es pas obligé de le dépenser ici, mais... Ça me ferait plaisir si tu le dépensais ici. Clairement. J'incite pas les gens à le faire, mais... Par exemple, tu vois, Xenoburon, je sais pas comment ça se prononce, 5 mois de sub, tu vois, Twitch Prime, ça fait 5 mois qu'il me claque le Twitch Prime, tu vois, merci beaucoup, lui c'est un vrai, tu vois, prends l'exemple sur lui, lui il ira loin dans la vie, je vous le dis. Pas une bonne idée, je pense. Oreilles, putain. Pareil, regarde. Au Benficuista. 4 mois de Twitch Prime, ça fait 4 mois qu'il y a Twitch Prime. Donc oui, ça fait 4 mois qu'il me paye. Clairement. Merci beaucoup, chat. Je vous aime. Merci à tous ceux qui sont abonnés, les gars. Sachez que c'est un soutien énorme. Et vous le savez. J'apprécie. Je pense qu'il y avait une bombe. Koala. Pareil, Twitch Prime. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle un point d'exclamation Twitch, point d'exclamation Prime permet de juste de lier votre compte. En fait, pour information, en fait, si vous n'avez pas de compte Amazon, ça prend 30 secondes à créer. Hein. 30 secondes à créer, vous liez votre compte Amazon à votre compte Twitch et vous pouvez vous abonner, genre, je crois que c'est 3 mois ou 6 mois gratuitement, un truc comme ça. Genre, en fait, vous avez une période de c'est gratuite, tu vois, pendant 3 ou 6 mois. Je sais plus. Genre, en fait, il change tout le temps, en fait. Avant, c'était 1 mois, après, ça passe à 3 mois. Il y a une période où c'est 6 mois de perte de 7, tu vois. Donc voilà. Pendant 6 mois, vous pouvez sub à la chaîne, tu vois, tous les mois. Gratuitement. Sans engagement. Et ça, c'est cool. Oh non, on va tomber et on pourra plus remonter. Comment ça bonne? Darkweed, point d'exclamation Prime. Ah, c'est 1 mois d'essai? Ok. Ah, je le vois. Avant, c'était. En fait, il y avait 3 mois à une période. Après, c'est passé à 6, je crois. Mais ok, je comprends, ok. Ah, sur la vidéo de Gotaga, ouais. J'ai trouvé la vidéo très cool, hein, en vérité. Vive les putes. Sub de Gota. Vive les putes. La laitière, totalement. Underground. Ah, mauvaise idée. Si, bonne idée. Mec, je lui ai bourré le cul à une vitesse. On sub pendant les 6 mois Amazon Prime. Oui, bien entendu. Non mais ce pompe est juste incroyable. Je sais pas qui m'a dit prends-le, mais je t'aime, sache-le. De toute façon dans tous les jeux de Saiga, c'est trop puissant. Un nouveau sub, rejoins la Shadow Army. Hey, Anxi sub.
Merci beaucoup pour le sub, welcome to you. Merci à Koala, merci à Chevex, merci à Mediman. Bienvenue à vous, les nouveaux, les soldats qui rejoignent l'armée. Installez-vous, prenez votre bouclier, votre épée et rejoignez les rangs. Let's go. Grab your gear and let's go. Y'a plus de munitions là, je veux des munitions de pompe, putain. Donne-moi des balles de pompe, je veux pas d'autres balles. Non, ça j'ai déjà. Voilà. Ça j'avais pas. Ça j'ai. Ah, oh, il s'est fait déchirer le bras. Ah, oh. Dude. Ok. Comment interagir avec ça? Y'a un mécanisme. Il est là. Je rigole. Putain, désolé. Pas de soucis. Quoi? Tu rigoles tout à l'heure? Comment ça tu rigoles? Attends, tu vas pas te marier? Tu vas pas te marier? Underground! Les non-subs, abonnez-vous, s'il vous plaît! Arrête! J'ai dit abonne-toi! Ah ouais, mais toi t'es un cheater, toi par contre! Qui est une plateforme similaire à Netflix. Donc n'hésitez pas les frérots et lâchez votre subprime à Sunakul, ma famille. Ce brave, t'es vraiment vrai. En fait, des fois, vous allez voir, je regarde cette caméra. Parce qu'en fait, je suis trop habitué à regarder cette caméra, du coup, faut que je regarde celle-là. Merci, ce brave, t'es vraiment vrai. Ah, oh bon. Oh bon. Oh bon. Non, mais lui, il arrive trop vite par contre. Oh bon. Pousse. Ici il marchait bien. What, mais mec, mais merde, non. Timmy, c'est vraiment le meilleur bébé, merci beaucoup. Bien mis le champ.
putain, mais... It's gonna be a long night, guys. It's gonna be a really, really long night. Attends, mais en fait, est-ce qu'il faut que... Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Faut que je fasse quoi, en fait? Je comprends pas. Faut que, en fait, faut que j'attende quoi? Je sais même pas ce qu'il faut que j'attende, en fait, chat. Faut que j'attende quoi, en fait, là? C'est ça les techniques ou pas, chat? Oh merde. Il y a le génie qui est game. Mais en fait, faut que j'attende quoi en fait? C'est ça la question. En fait, fallait juste pas les tuer. Parce que si tu les tues, ils arrêtent pas de venir en boucle. En fait, faut juste laisser les garder les 3-4 là, les faire courir. Ils cassent le jeu encore et encore. C'est fou quand même. Ce bruit. Merci Timmy Turner pour le Prime. Merci Downhill pour les 13 mois de sub. Merci. La quoi la lâcherie l'emporte tout. Alors en fait c'est lâcheté. Ils sont naïfs ces monstres, oui. Bonsoir, c'est Marc Bien. Hey Asil, comment tu frérot? Welcome back. What's up, my man? Comment vas-tu? Depuis le temps? Quoi de neuf? Hein? Oh, ça va se casser. Non, mais c'est cramé, ça va se casser. Non, même pas. Faut que je tue. Mais non, c'est pas ça. Faut que je tue vraiment. Ah, faut casser tous les piliers. Français, il a le sens du gameplay, il est vraiment très fort. Non, je suis chaud en réalité. 400 de QI, mais minimum 400, minimum. Minimum, 400 c'est quand je suis né, j'avais 400. En fait, il s'est barré.
Il a rage quitté, il dit c'est quoi, vas-y, il est relou, Snaku il est relou. Il joue pas fair play, il se cache derrière des poteaux. Par contre, toi d'araignée, ça me casse les couilles, je vous le dis. Toi d'araignée, c'est relou, voilà. Il se dit c'est quoi, Snaku? Pas fair play. Tu vois, c'est tellement de gameplay, il est classique. Pour que tu descendes, tu puisses pas remonter. Tu vois, pour pas que tu puisses survivre en arrière. Voilà, hop, et hop, tu peux pas remonter. Et là, c'est le boss. Ah, comme si c'était passé. Arrête de crier, t'es une merde. Non, non, je... Attends, faut que j'analyse, faut faire quoi là? Faut le tuer. Faut le tuer. Merci Darwin pour un sub du coup à Red Gaz. Ah, fils de pute. What? King Kong, reste tranquille. Tu pars en couille là. Invulnérable aux dégâts de feu. Là, il y a des murs, t'as pas encore cassé ici là. Voilà, casse, voilà, GG. Encore, là, il reste un mur. Là. Je peux remonter là, je peux remonter moi. His name is John C.
On vient de vivre ce que vit Akaka à chaque fois que vous tirez la chasse d'eau. Et c'est juste trop ouf en vérité. Tous les chemins mènent à Oktyabrskaya. Le sombre se trouve là-bas. Et Anna aussi. Entre les mains de mes ennemis. Les mains d'un traître. Lesnitsky. Non mais c'est vrai. Tu sais, quand tu fais caca, tu sais, t'oublies, genre, où il voit ton gars, mais en fait, il fait un chemin de ouf en vérité, tu vois. Pouf, caca. Oh non, j'ai un masque là, je peux l'enlever ou pas? Ah non, c'est pas de masque, ok. C'est bien plus calme, ça fait plaisir. Pourquoi tu butes toutes ces pauvres bêtes? Ne... What? Welcome to you, boy. Darkweed t'a offert 435 subs à la commu, à la chaîne. Welcome to you, boy. Darkweed, si on fait le calcul... Un nouveau sub rejoint la Shadowloof Army. Darkweed, est-ce que t'es prêt à pleurer ou pas? Merci à toi pour le sub. Bienvenue dans la Shadowloof Army. Tu vois ce chiffre? En fait, c'est ce que t'as offert en euros. En termes de sub. Darkweed, qu'est-ce que tu branles, putain? Qu'est-ce que tu branles? Il est où mon VIP? Mais la tête de Wham? Mais je te mets un petit plug. Tu le changes, je pensais que tu voulais pas. Je pensais que tu voulais pas, Darkweed. Faut savoir au bout d'un moment. Tiens, je t'ai mis un petit plug. Welcome to you. Arrêtez, please. Putain, mais ils sont... Non, mais ces gens-là sont inarrêtables. Merci. Attends, j'ai raté qui? J'ai raté le Lean X Canadien. Canadien. Connexion Paris-Montréal. Merci beaucoup, le Canadien, j'apprécie. Merci. Mais je rigole. Non, tu gardes ton plug, enfoiré, cette fois-ci. Et t'arrêtes de venir m'envoyer des messages pour ne plus l'avoir. Tu le gardes, ok? Il mangera des pâtes à la fin du mois, mec, mais ce mec... Il... Non, mais là, c'est pas en un mois, attention, c'est pas en un mois. C'est juste depuis le début, il a offert 435. Il est fou. Cet homme est fou. Merci. Kapla, Kafra Sabadidi, bienvenue à vous. Merci à Yostar, merci Power, merci Balou, bienvenue à vous. Merci, bienvenue aussi à Exterminatores. Bienvenue à vous, guys. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée, j'espère que vous éclatez. J'espère que vous êtes là tranquillement, tu vois, posé dans votre lit, dans votre canapé, dans votre salon, je ne sais où, pour le coup. J'espère qu'en tout cas, vous appréciez le live, tout autant que je l'apprécie, personnellement. Je kiffe, j'adore ce jeu. Je suis tellement hype de voir la suite. Surtout qu'en plus, la suite s'annonce un peu open world, donc là, t'as vu, c'est vachement couloir. La suite s'annonce un peu open world, donc pour aller un peu où on veut et tout, et ça a l'air d'être vraiment stylé. C'est next, si tu comptes finir le jeu aujourd'hui, le live va finir à 4h au plus. Ok, bon, on finira demain dans ce cas-là. C'est pas un problème, on finira demain. Genre demain après-midi je stream, donc tu sais quoi, on finit demain après-midi pour le coup. Du sang. Soit une femme enceinte est passée par là, soit une femme dans ces périodes, pardon. Je le savais, c'est une femme. C'est une femme, et je le savais. Tout ça à cause des femmes, c'est les femmes qui mettent le sang sur les murs. C'est toujours elles. Toujours les femmes, mesdames et messieurs. Toujours les femmes, attends, j'ai tout pris là? Oui. Non, c'est pas de la merde, Nicolas. Non, au contraire, ça peut être bien. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les critiques. Apparemment, c'est le meilleur FPS depuis Half-Life 2. Enfin, c'est le meilleur FPS shooter depuis Half-Life 2. Donc, à mon avis, il y a moyen. Enfin, c'est une critique hein, qui a dit ça. Hein. C'est pas. C'est,
c'est pas moi, ok. Donc il y a moyen qu'en vérité ce soit cool, hein. Tu vois, genre, si c'est pas un avis sponsorisé. C'est qui cette fille déjà ? Une otage. On va s'en servir pour négocier avec l'ordre. Veillez juste à ce qu'elle porte un masque à gaz. Si elle est infectée, elle est morte. Et elle ne nous servira plus à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Enfermez-la et gardez un œil sur elle. Au moindre incident, c'est votre tête qui saute. Je viendrai la chercher quand on en aura fini ici. Je t'ai dit, viens avec moi là. On va faire les magasins, ok ? Tu viens avec moi. Non, en fait, ce que je viens de dire, c'est absolument faux parce que tu ne peux nous quelqu'un en fait forcer une fille à aller faire le magasin avec toi comme ça. C'est plutôt elle qui te sort comme ça en mode viens avec moi faire le magasin. C'est le WFR de The Rock. Oui, c'est vrai, absolument. Qu'est-ce que vous faites ? Posez-moi, j'ai tout tué ! Quels sont les ordres des dirigeants de la ligne rouge afin de mettre fin à l'épidémie ? Vous êtes tous infectés ! Vous avez entendu ? On doit vous tuer pour sauver le métro. Mais on n'a même pas de fièvre ! Feu ! Ah, clic, soumis au auto. T'arrives à rien toucher même à bout portant, et c'est dingue ça. T'es un Stormtrooper? Je peux pas tirer là. Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Il va bientôt crever de toute façon. On est là pour s'en assurer, achève-le. Je viens de recevoir un mail. Juste vous le montrer, vous allez rigoler. Toute ma boîte est couverte de merde. C'est pire, ma veine. Bah, pour l'instant, tu peux rien y faire. Tu mettras du désinfectant dessus à notre tour. Putain, mais... Epic commence à avoir très très chaud. Epic commence à avoir très très chaud. Alors, pour ceux qui savent pas, en fait, Fortnite en fait au début a fait des campagnes sponsorisées, etc. pour pas mal d'influenceurs. Et tout le monde a fait des vidéos sponsor sur Fortnite, hein, tout le monde. Genre à coup de 10, 15, 20 000. Epic t'es lâché de l'argent comme ça, tu vois. Et là en fait, y a Apex qui sort, tu vois. Et ils refont en fait des OP sponsor maintenant. Non, on va d'abord fumer une clope. On prend notre temps. Ils auront peut-être fini quand on arrivera. Putain, j'aime pas ce... Ça, c'est une bonne idée. Il y a quelque chose qui cloche. On est arrivé trop vite ici. Normalement, les infos arrivent, ils les vérifient, ils préparent tout, ils émettent des ordres. Ça prend une semaine au moins, deux semaines avec les politiciens. Et alors ? On était ici le lendemain du début. Ils ont même pas encore commencé à mourir. Ah ! Alors c'est comme ça. Écoute, garde ça pour toi. Ça change rien pour nous. On doit pas s'en mêler, c'est compris ? Ouais, t'as raison. Si c'est bien fait, ça pète là. Si c'est bien fait, genre ça doit péter s'il tire dans son dos. Oh non, il vient ici là ? Oh, c'est un Stormtrooper. Attends, je vais voir si c'est bien fait. À quel moment, genre, tu tires tu tires sur une grenade et le mec meurt. Et ça, en fait, il a pas subi l'onde de choc. Le fragile de ouf. Ah oui, il te redonne les JVN si jamais tu les as pas, ok, c'est cool. C'est cool. Non, et du coup, pour revenir à Fortnite. Non, parce qu'en fait, il y en a qui a dit dans le chat. Juste, je crois qu'il a dit dans le chat. Fais l'OP et tout. C'est dommage de crash sur l'argent. En fait, non, je crache pas sur l'argent, tu vois. Mais je ferai pas l'OP parce que.
c'est pas dans, c'est pas dans mon délire, tu sais, de faire des OP pour faire des OP pour faire de l'argent, tu vois. Genre, si je fais une OP, c'est pour... C'est quoi ça, hein? C'est un couteau, genre? Ouais. Genre, si je fais une OP, c'est parce que le jeu m'intéresse. Par exemple, là, tu vois, je fais une OP demain, je crois, après-demain. Sur... Sur Conqueror's Blade. Mais... Merci beaucoup pour le recette. Mais je vais pas... Mais je vais pas, tu sais, genre, faire une OP... Parce qu'il y a beaucoup d'argent, tu vois. Ça m'intéresse pas. Enfin, faut vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, pour le coup. Mais... Il paye pas assez pour que je fasse l'OP, en fait, tu vois. Genre, tu vois, s'il payait genre 100 000 balles, tu vois. Ou 50 000 ou quoi, je le fais, tu vois. Bah écoute, je fais une vidéo Fortnite. Hey, les gars, il est trop bien, tu vois. Enfin, même pour 50 000, je le ferais même pas, en fait, tu vois. Enfin, j'avoue, 50 000, ma... Ouais, ça, j'ai mon identité, j'ai ma façon de penser, tu vois. Même s'il y a de l'argent en jeu, c'est très cool, tu vois. Mais honnêtement, si c'est pas pour beaucoup d'argent, je le ferais pas, tu vois. Regarde-moi. Bien joué. Ah, c'est bruyé, genre. Ah, c'est pas bien de faire ça, monsieur. Ah, c'est la pièce que j'ai prise, non? C'est d'un coup, t'as vu comment t'as parlé du jeu depuis qu'il est hype, je pense. On aurait pas compris. Non mais voilà, c'est ça. C'est ça, non même. Genre, vous déjà vous aurez trouvé ça bizarre. Mais en plus de ça. En plus de ça, je me. Enfin, personnellement, je me vois pas genre. Mettre en avant un contenu pour lequel je suis pas très fan, tu vois. Tu vois, par contre, je suis complètement d'accord. Apex. Oh. Non, c'est un laser. Apex me contacte, tu vois, ils me disent oui, tu fais une OP sur le truc et tout, je dis oui direct, tu vois. Mais mais Fortnite, non, je peux pas, les gars, je suis désolé. Genre, pour le coup, tu vois, genre l'OP, tu sais quoi, juste par curiosité, je vais demander comment c'est payé, tu vois, l'OP. Et je vous dirai pour le coup. Mais honnêtement, je le ferai pas. Je ferai pas l'OP. Ça va, genre, tu sais, j'ai pas mal d'OP qui arrivent là. Dont une OP fucking top secrète, je peux même pas vous en parler, tu vois. Donc ouais, c'est cool, très cool, tu vois. Pas besoin de plus, tu vois. Ouais, en fait, tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, faut savoir se satisfaire, tu sais, de ce que t'as, tu vois. Tu sais, c'est cool d'être ambitieux et de vouloir toujours plus. Mais il y a des moments, en fait, où faut juste dire, genre... ouais, c'est cool, en fait. Ah, what? Ok. Faut juste dire, ok, c'est cool, je suis payé tant, j'ai tant de sous, tu vois, qui rentrent tous les mois. Genre, ça va, t'as vu, genre, on va pas commencer à... On va pas commencer à demander genre toujours plus, tu vois. Après c'est humain, tu sais. Genre l'homme est comme ça, l'homme est greedy de base, tu vois. Genre et c'est tout à fait normal, tu vois. Genre tu veux toujours plus, tu vois. Tu veux toujours plus de pognon. Mais évidemment faut juste savoir dire stop et non en fait, tu vois. Attends, je suis venu par là ou pas? Non, je suis pas venu par là. T'es à l'OP... Quoi? T'as l'OP Cyberpunk, c'est ça? Quel OP Cyberpunk? De quoi tu parles? Il y a l'OP Cyberpunk? Je suis pas au courant. De manière...
Faire une pièce sur un monde de capitaine. Ouais, ça. Merci beaucoup, c'est une FPS. Merci bébé pour le Prime, j'apprécie. Merci beaucoup, Tsukiba pour les 4 mois, Mister Pong Lenis, c'est ça. Merci beaucoup pour le Prime, Capla qui offre un sub à Didi, et Darkwid qui offre genre 50 milliards de subs. Darkwid qui lâche clairement son PEL sur la chaîne. Alors Darkwid... T'en penses quoi d'Apex, Master 5 coups. Apex, incroyable. Vraiment, Apex, incroyable. Je le dis, je le redis. Apex, c'est incroyable. Voilà. Et c'est pas, c'est, je vous dis, c'est pour ça que j'ai pas streamé hier, tu vois. Parce qu'il était tard, en fait, je suis rentré chez moi tard. Et en même temps, je voulais jouer à Apex, tu vois. Tranquille. Tu sais, genre, le problème, c'est que le chat, genre, vous êtes pas présent tout le temps, tu vois. Vous êtes présent, tu sais, quand le jeu vous plaît, tu vois. Mais vous êtes pas là tout le temps. Et en l'occurrence, Apex, c'est un jeu qui n'a pas l'air, genre, de vous emballer des masses, tu vois. Donc, du coup, pour pas vous faire chier ou quoi, tu vois. Quand je joue à Apex, je joue souvent hors live, tu vois. Enfin, pas souvent, je joue que hors live, en fait, tu vois. Donc, voilà. Mais moi, c'est un jeu que j'adore, en vérité, hein, tu vois. Donc, Ah, enfin, des balles de pompe, putain. Une balle de pompe, sérieux? Ok, je tourne en arrière parce que je regrette des trucs là-bas. Ah ouais, mais Apex, c'est ultra gothique, ouais, de ouf. D'accord. Merci pour le reçu. Ça, je l'ai pris. Ok. Bam. Et là, en fait, il y a une dynamite quelque part. Elle est où? Elle est là. Mais j'arrive pas à la couper. Ah. Ok. The loot is real, Wally. La Vapex, c'est convivial, fais pas... T'as dit quoi? Ah, fils de pute, jamais tu le chat. Non, mais si, j'ai totalement le chat à 46. Enfin, je dis que quand t'es sub. Écoute-moi bien, je suis là tout le temps. Non, mais oui, je sais, non, mais chat, vous avez pas compris. Je sais qu'il y en a plein qui sont là tout le temps, tu vois. Je généralise pas. Mais je veux dire, tu vois, entre un live Resident Evil, où on fait genre 3400 viewers ou 4000 viewers et un live Apex où on en fait 1006, tu vois. Et un petit diff, tu vois ce que je veux dire. Ah, il est mort lui. Donc voilà, ça pour vous dire, c'est je vous dis la vérité, hein, c'est un jeu que je kiffe, tu vois. J'y joue beaucoup hors live. Mais je sais pas, je t'avoue que je veux pas vous l'imposer, tu vois. Genre si ça vous plaît pas, tu vois, je me dis bah... Ça vous plaît pas, je me dis, t'es genre, je joue en live, tu vois, et puis voilà quoi. C'est bon, j'ai tout sucé, ok. Je l'ai pas vu. On va se manger, les gars.
elle meurt au bout d'un moment, non? Wouah, j'ai tout le monde ici, j'ai niqué tout le monde. Parce que je voulais faire chat. Putain, j'ai déglingué tout le monde. Ah non, parce qu'en fait, il y a des trucs qui se disent en chat et j'ai pas le temps de lire en fait, vu que je joue. Sympa de penser à nous, c'est vrai que maintenant tout le monde stream Apex. Donc ça fait du bien de voir sur un autre jeu. Non, mais c'est ça exactement, c'est pour ça que je vous dis, je stream pas forcément Apex parce que tu vois, tous les streamers sont sur Apex et c'est cool, hein, tant mieux. S'ils kiffent, hein, c'est un très bon jeu, tu vois, donc c'est mérité. Mais j'avoue que ouais, je veux pas non plus vous imposer du Apex aussi. De temps en temps, on en fera, tu vois. Grenade! Bah, j'avoue. Mais de temps en temps, en fait, j'en ferai sûrement, ouais. Sauf que le temps que tu passes à jouer hors live, tu n'es pas... Attends. Sauf que le temps que tu passes à jouer hors live, tu ne l'es pas à l'être. À t'être de doubler pour nous proposer un jeu comme Resident Evil. Moi, je pense que tu devrais quand même stream sur Apex. Parce que même si ça plaît pas à tout le monde, au moins tu es là pour les mille et quelques personnes qui aiment Apex. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Stan Siri. Je suis d'accord que t'es dans le fond, mais après le problème c'est que, tu sais, en fait, les gens te collent, les gens te collent une étiquette, tu vois. Et c'est ce qui fait chier, en fait, parce que souvent, en fait, les gens te collent une étiquette qui n'est pas forcément la bonne, tu vois. Genre, par exemple, de streamer Apex, tu vois. Alors que t'as stream, genre, quelques fois Apex, et c'est pas mon main game, tu vois, non plus. Enfin, en ce moment-ci, pour le coup. Mais pas en stream, tu vois, je suis pas en main game Apex, tu vois. Et les gens vont arriver, en fait, ils vont te coller cette image. Voilà. On peut looter maintenant. Doucement, Laz, doucement. Laz. Lazmatique, doucement. Ok, change. Ok, je pêche pas comme il monte. Monte avec ses jambes. Les jambes sont musclées, quoi. Oh, nice. Je sais que j'ai oublié plein de trucs en vérité. J'ai oublié masse de trucs en vérité. Putain, c'est tellement dégueulasse. La peste a infecté ces pauvres gens. Ah. Ça, après, on va encore dire que je suis sexiste, mais ça, c'est une femme. Hein. 24 pièces, putain, 24 balles, pardon. Propre. Contagion. On dirait un nom d'un film, tu sais. Ah ouais, mais toi, tu kiffes. Partage-nous ton kiffage. Ouais, mais je rage beaucoup aussi sur Apex, tu vois. Genre, c'est pour ça que je ne stream pas en vérité, parce que j'ai pas non plus un niveau de ouf comme certains joueurs ou quoi, tu vois. Et donc, du coup, je suis aussi un mauvais joueur, faut dire ce qu'il y a, tu vois. Je rage pas mal quand je meurs, tu vois, et ça me fait chier, et c'est relou, et je crie et tout, et donc du coup, j'ai pas envie de, tu vois, que le live devienne, tu vois, que genre, l'ambiance devienne lourde. Du coup, je stream pas Apex, tu vois. Je veux jouer Apex de mon côté. C'est un peu mon jeu, tu sais, à côté, tu vois. Mais en ce cas, j'ai trop de jeux, tu vois. Tu veux jouer au prochain Far Cry? J'ai pas reçu de Ubi m'a pas encore envoyé de clé, tu vois. Si jamais j'en reçois une clé, ouais, genre, il sort quand d'ailleurs? Il sort pas le 15 en même temps que... Il sort pas le 15 en même temps que... comment il s'appelle? Que Exodus? Non? Ce serait cool de devoir streamer... C'est trop cool de devoir... Avec d'autres streamers, comme par exemple le Loup-Garou de Play tout à l'heure. Bah, en fait, le truc c'est que... Tu sais, on m'invite pas, tu vois. Genre... C'est pas que je fais le mec en mode oui je veux pas y aller ou quoi, tu vois. C'est qu'en fait on m'invite pas. Souvent en fait ils font ça en fait en groupe, tu vois, entre eux. C'est souvent des gens de soit de Webedia, soit genre du stream ou quoi, tu sais, qui font ça entre eux. Et en fait on m'invite pas, et donc du coup je veux pas être en mode hey les gars, je peux venir moi aussi, tu vois. Genre tu sais, si on m'invite, tu vois, je vais avec grand plaisir, tu vois, pour le coup. Mais si on m'invite pas, je veux pas m'incruster en mode hey, je veux venir moi aussi, tu vois. Non, ça se fait pas, tu vois.
Oui, c'est ça. Après, c'est pareil. Apex, c'est... il fucking streamait, tu vois. C'est cool un peu de diversité, tu vois. Quand tu vois tous les streamers qui sont sur Apex, là, tu vois, dans mon feed, tu vois. Apex. Y'a que Amné qui est sur genre The Witcher 3, tu vois, s'il te plaît. Enfin. Qu'est-ce que tu penses d'un des projets du type le stream t'intéresserait? Honnêtement, tu vois, j'ai réfléchi à cette question, et ça dépend du projet, tu vois. Franchement, ça me dérangerait pas, tu vois, d'avoir genre une émission, tu vois, genre hebdomadaire ou quoi, sur le stream, pourquoi pas, tu vois. Mais, genre d'aller streamer chez le stream, à moins que je sois bien payé, tu vois, ça m'intéresse pas. Comme Fenabil, tu vois, tous les dimanches ou quoi, tu vois, ça m'intéresse pas. Je suis pas très très chaud pour faire ça, tu vois. Donc voilà. Mais pourquoi pas, tu vois, si j'ai une émission récurrente tous les X jours, ouais, là, tu vois. Sinon, on avait des parties des best de off de tes parties, style 100k, pas en live, et tu postes sur YouTube. Ouais. C'est quand Red Dead? Je sais pas. Bon, en tout cas, on finit Metro aujourd'hui, demain, et après, comme ça, on fait le premier truc Exodus de vendredi, tu vois. Être hydraté, c'est bon, de ouf. Restez hydraté, buvez de l'eau, c'est important. T'inquiète, tu vas percer quand même. Le groupe qui a détruit l'avant-poste de l'ordre a kidnappé Anna, envahi Oktyabrskaya. Une station tranquille, c'est une déclaration de guerre envers l'ordre et Anza à la frontière de... Ok. non mais c'est long comme ça, ça va 2 minutes, tu vois. Même si elle est forte, l'équipe de Lenitsky ne sera pas assez puissante pour commencer une guerre contre Anza. Je ne comprends pas. J'espère qu'Orbut, qu'est-ce qu'il a encore derrière la tête? Je ne sais pas, colonel. J'en ai foutrement aucune idée. Ok. Oh, j'ai pas la clé. Oh non, j'ai oublié la clé, les gars, vous pensez? Chat, vous pensez que j'ai pas la clé? C'est par où? Où est cette foutue clé? Elle doit être là, quelque part, je pense. Ah, Théma, il brûle, lui. Ah ouais, Théma, genre le mec, il est fait en métal. Le mec, il est en métal, c'est. Attends. La clé chat est forcément... Ah. Told you, boy. Merde, comment je remonte, maintenant? Chat. Par là. Attends. Mais... Par où je remonte? Par là. I love this game, Wooly. Allez, putain. Oh, 13 minutes. C'est pété. Ok. Go. Camarade Zeth, l'opération progresse comme prévu. Elle sera terminée dans une heure. L'expérience a été un succès. Il faut faire notre rapport au général Corbett. Tu y vas? Oui, chef. Le tissu qui ne brûle pas. Hein. Ah ouais, le truc genre infusé, tu sais. Genre, ça brûle apte, tu sais. Éteint. Mais qui
peut dire que c'était Iron Man. Ah, d'ouf. Eh, hey, vous l'avez vu le mec à travers le mur ou pas? Est-ce que vous l'avez vu le mec à travers le mur? Le mec à travers le mur, il a passé son arme comme ça, dans le mur, et il a tiré à travers le mur. Genre, putain, dommage qu'il n'y a pas de clip. Genre, le mec a clipé, clipé. Il y a un mec à travers le mur, il a tiré à travers le truc. Normal. L'agent Madani, il est largué. Pourquoi tu parles de Madani? Non, il était pas mort. Bonne soirée, Yves, un bisou. Cette tête de l'homme satisfait, j'adore, grave.
Allez. C'est quoi, tiens? Ah ouais, mais gros, mais lui, non mais gros, va jouer Apex, toi. Non mais gros, va jouer Apex, toi, t'es trop chaud. Mec, va jouer Apex, t'es vraiment trop chaud, en fait. Putain. Putain, vivement mes lunettes, hein, vraiment. Vivement mes lunettes, hein, putain, parce que vraiment là, genre. Mes yeux commencent à vraiment à douiller de ouf. Talk about my one taps, I do. Absence, c'était un bot 4 fois champion du monde pour DOSL League. Oh, World League, t'es mort. C'est pas possible, gros. Ce bot, il est trop chaud. J'arrive pas à le tuer, gros. Il est trop chaud. Je vous jure, il est trop chaud. Il tire, il te prêche à travers le mur. Je suis coincé aussi. Je suis dans la France avec qui, clairement. Non. je joue de force, putain, maintenant ils m'ont saoulé. Ça va être très dur.
Genre des fois en fait les IA, elles savent que tu vas tirer dans la tête et du coup en fait elles brain, tu vois. Attention. Oh là là, il a brain de ouf. Comment il sait lui, là, là? À gauche. Il y en avait deux, non? Mec, genre, je comprends pas. Non, mais genre maintenant le jeu, il est de la RNG maintenant. Y'a moyen d'avoir une petite save ou pas là? Y'a moyen d'avoir une save ou pas là? Game, please! Une save, vite fait! Il va mort, genre là! Ah, ils ont des cages, genre! Moi d'avoir une save ou pas là? Je crois qu'on va mourir. Bêtement, on va recommencer à zéro gros. Tu le sens ou pas? On va mourir parce qu'en fait il y a un bot qui va sortir de nulle part. Qui va nous faire une Jackie Chan. Est-ce qu'il y a un checkpoint ou pas? Est-ce qu'on peut recommencer? Pourquoi je fais des trucs comme ça? Putain, game! Chat, pourquoi je fais des trucs comme ça? Dites-moi! Y'a qui tire sur la meuf à part moi en fait? Juste expliquez-moi! Dude! Ouais, je suis fucking idiot de ouf! Vous pouvez le dire, chat! C'est scripté! Oui, non, mais c'est scripté! Attends, c'est tout ce que tu fais.
suis là. Ils ont pas de masque. Fatality. Je commence à assembler les pièces du puzzle. Et ce que je vois est à la fois abominable et incroyable. J'en parle aux autres, mais je n'arrive pas à y croire moi-même. Les rouges ont infecté Oktyabrskaya, une station tranquille dont les habitants ne soupçonnaient rien, avec un virus mortel inconnu. Leur escouade de nettoyage est ensuite entrée sous prétexte de sauver la station de l'épidémie et a éliminé tout ce qu'elle pouvait. Des femmes, des enfants, des vieillards. Oui, je sais que c'était scripté. L'infection de se répand. Si tout cela est vrai, Anna et moi pourrions être infectés aussi. On a échappé à l'exécution, mais on ne sait pas si on va survivre encore longtemps. Bah si, parce que t'es dans Exodus, gros. Je comprends pas. J'ai le sentiment que tout sera bientôt terminé. On ne survivra pas à cette guerre, Artyom. Tout le monde mourra. Je me sens seule à nouveau. Comme quand j'étais petite et que mon père partait en mission. La physique. Le néant m'entoure. Vide et froid. Comme si je n'étais qu'une étincelle qui s'envole. Et disparaît. C'est pas facile de te parler de tout ça, Artyom. Mais j'ai besoin de me sentir vivante. Touche-moi. On est sur Twitch, putain! Les gars, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé mes lives depuis 5 ans que je stream. Voilà, c'est mon dernier live. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et merci encore une fois pour tout. J'espère que ça vous aura plu. Ma chaîne demain n'existera plus. Je suis désolé. T'imagines? Non! Pourquoi on voit des titres comme ça, là? Oh, la physique. Nvidia, je vous aime juste pour ça. Parce que t'entends, c'est pas le cœur. Hein. C'est plus bas. Ban incoming. Bon, on dirait que vous êtes en bonne santé. Ah, c'est un rêve. Félicitations, jeune gens. Putain. Vous, Artyom, vous pouvez y aller, mais vous, Anna, vous devrez rester encore un peu. Nous devons finir de soigner votre blessure. Tu peux rester aussi, hein. Tu sais, Qu'est-ce que vous attendez? Allez. Mais... Vas-y, Artyom. Je te rejoindrai dès qu'ils m'auront remise sur pied. Si une fille te regarde comme ça, IRL, t'as tout gagné. Et demande en mariage. Si une fille te rate comme ça, IRL, tu vois. Oh là là. Oh là là. Artyom, je attends, pas aucune raison putain, mais... de vous garder ici. Ta gueule. Et j'ai beaucoup de travail. Tu devrais y aller. J'en ai. Ok, mon amour. Viens là, ma chérie. Ne regarde. Quoi? Ah non, qu'est-ce que... J'entends pensé que c'était le médecin. Parce que le médecin qui m'a dit viens là ma chérie, j'allais le démonter et dire comment ça ma chérie. C'est quoi papa? C'est rien. Tout va bien. Ne regarde pas. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Ok, go. Bientôt. Très bientôt. C'est sûr, je crois qu'il avait dit ma chérie à Anna. Oh de la bissala. Oh, non. Où ils l'ont emmené? La 8ème caisse. Ouais, c'est la 8ème. C'est Metsky. Yori. Y a pas le virus T là à choper parce qu'il y a Léon qui va venir après me voir. Avec Umbrella. Mehdi! Je pensais que c'était Mehdi qui mettait ses sons encore. Bravo, j'arrive sur le stream et je vois. Et voilà sur quoi je débarque. Ça va, je suis là. Oui. Oui. Oh, ils ont signé les corps. Trop bien, je peux le faire aussi, moi, je peux le faire aussi. Non, mais c'est une comédie, gros doux. This thing is on fire! Ok.
dois faire quoi, docteur? Vous connaissez les statistiques aussi bien que moi. Je sais, mais bon... Vous étiez conscient des mesures de sécurité, des gants, du masque. Vous avez signé les papiers. Oui, c'est vrai. Les enfants, comment je fais ça? Ah, mais c'est les gilets jaunes. C'est un gilet jaune. Ils pleuraient. Ça va, toi, je suis d'accord, monsieur. Et vous vous êtes condamné. Hey. Déjà assez de personnel comme ça. S'il vous plaît. Vous auriez pu aider tant de monde. Aidez-moi. Hey. Vous avez raison. Très bien. On va commencer le traitement des symptômes. Comme vous. Forme moins virulente du virus. Il y a même des... Restons optimistes. C'est dangereux ici. Partez. Non, j'aime bien. J'aime quand c'est dangereux. Vous pouvez pas entrer dans la zone. Passez par le labo. Ok. Welcome, stranger. Thank. Ils ont pas, il a pas le même masque dans Resident Evil, le stranger. À peu près. Alors, je sais pas vous rappeler de porter des gants et un masque. Non, je le sais. Parfait. Bon, relevez la température toutes les heures. Prélevez du sang toutes les 3 heures. Appelez-moi dès qu'une des constantes s'écarte de la norme. Bien sûr. Vous voyez, il n'y a eu que 2 cas positifs. C'est Bluehound. Il faut donc les surveiller de près. Au milieu de l'apocalypse, oui, moi aussi je peux brûler des corps. Parfait. Moi aussi je peux brûler, moi aussi les amis, moi aussi je peux mettre les corps dans le feu. On leur a demandé de donner toutes leurs armes. Regarde toute cette merde. Bah, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils s'en sont bien sortis, mais il faut emballer tout ça. Ouais, et pourquoi ça? On devrait tout brûler avec les cadavres, ça irait plus vite. Mec, moi je brûlerais toutes les catacombes. Pour moi c'est des conneries. Il est bien trop tard pour ça. Chef doit savoir ce qu'ils font. Half-Life. Half. La salle de garde est par là. D'accord, merci. Wow, le merdier. Wow. Ne restez pas là, c'est une zone... Alors, l'épidémie ralentit? C'est vous, on dirait les scientifiques dans Half-Life. Oui et non. C'est un virus de la souche Ebola. Mais il est inutile d'essayer de le cultiver. Il n'est pas virulent pour l'instant. Ah, c'est Ebola ? Ils sont la souche d'origine. Docteur, vous savez que je suis pas médecin. Soyez plus clair. Pardon, colonel. Voici les faits. Les 2 premiers jours, le taux de mortalité était d'environ 95%. Le 3e jour, il a baissé à environ 25%. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 nouveaux infectés, et leur infection est légère. Les perspectives de guérison m'ont l'air bonnes. Comme vous le savez, Moscou n'a jamais été un habitat naturel pour ce virus. Dans sa forme sauvage, il demeure dangereux bien plus longtemps. Qu'est-ce que ça signifie, alors? Ce n'est pas un virus ordinaire. C'est une souche militaire conçue pour être la plus létale possible sur une période très courte, avant de devenir inoffensif. Bon sang. D'où est-ce qu'elle vient? J'ai entendu parler d'une nouvelle génération d'armes biologiques basées sur ce virus et développées avant la guerre. Mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien sortir après toutes ces années? Des armes biologiques. Mon Dieu. Je vais interroger quelques rangers au cas où. L'un d'entre eux nous a peut-être apporté cette surprise dans le métro. C'est moi? T'imagines qu'il arrive? C'est moi qui ai tout fait péter. Bah oui. Moi, je savais pas. On m'a dit, il va faire péter les trucs. J'ai fait péter les trucs. Arthur, mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Moi, je sais pas. Umbrella. C'est sûr, c'est Umbrella derrière. Umbrella est de l'origine de tout, les gars. Voilà, c'est ton. C'est ton. Vous allez rester ici une journée, le temps que votre rhume guérisse, et on vous laissera retrouver les autres. Et pourquoi je vous mets en cage? Je vais rester là-bas dans cette rhume. Mais parce que t'es. Mais t'es con, quoi, t'es contagieux, t'es bête. Alors, quarantaine. Ah là, mais ce jeu. Eh, je me languis d'Exodus. Vraiment, l'Exodus là, je. Je vais la prendre et je vais le savourer. C'est comme on a savouré Red Dead Redemption 2, tu vois.
Non, j'aurais un programme d'exécution, on va le finir, je vous le dis. Merde. Non, attends, attends, non, j'ai pas lu, ok, j'ai pas lu. Attends. Ça veut dire stop. C'est T-O-N, ça veut dire stop. Quoi, genre t'es russe, toi, c'est ça? Tu vas le faire, Exodus? Non. Non, Exodus m'intéresse pas, pardon, excuse-moi. Je suis un peu fatigué, il est 2h du matin. Et en fait, si vous voulez, en fait, à partir d'une certaine heure, en fait, la fatigue se fait ressentir. C'est comme ça. Nous sommes des êtres humains, avant tout, ne l'oubliez pas. J'annonce qu'il va y avoir 3 lives Exodus. Et il le reprend dans 25 ans. Les rouges espéraient pénétrer dans une station entièrement dévastée par le virus, mais cela a pris trop de temps et ils ont perdu patience. Ils n'ont pas attendu le résultat, ils l'ont précipité. Les survivants disent que lorsque le nettoyage de la station a commencé, les rouges ont autorisé des gens soi-disant contaminés à fuir vers la station voisine. Oktyabrskaya et Colt. Mais ces survivants ont été suivis de près par les escadrons d'exécution. Si un groupe de combattants de l'Ordre ne s'était pas retrouvé à Koltsevaya, à ce moment-là, pour repousser les routes, ils auraient à présent deux stations et Hansa serait coupé en deux, mais l'Ordre a réussi à éviter ça. Putain, l'Ordre, ils sont vraiment forts. Mais je tousse depuis très longtemps. À part ça, je me sens très bien. C'est parfait. Ça veut dire qu'on n'a rien à craindre. Vous pourrez donc repartir après-demain. Pas maintenant. Eh bien, ce sont les règles. Et vous savez ce qui arrive à ceux qui ont été sélectionnés. Enfin, mais sa gueule, lui. Malade. Adressez-vous au médecin. Non, je veux aller par là. Je veux aller par là. Non. Écoutez-moi. Avancez. Oh, je peux tirer moi aussi. Attends, je peux tirer. Je peux tirer. Putain. Encore de la paperasse. T'aimes vraiment bien voir chaque date du... Ah non, mais moi je suis comme ça. Hein. For real. Des jauges, ça. Ces mecs-là sont des machines. Ils sont vraiment forts. Eh, dites-vous que ce jeu est sorti en 1990, hein, ce jeu, ok? Regardez comment il était déjà beau graphiquement. Imaginez Exodus. À l'époque, pour l'installer, il fallait au moins 3000 disquettes, je crois. Alors, en fait, avant, il n'y avait pas de CD, il n'y avait que les disquettes, tu vois. Et en fait, il fallait au moins 3000 disquettes pour l'installer. Genre, en gros, ça te prenait genre au moins un mois à installer. Bah les devs se prennent la tête pour faire plein de petits détails autant pour... Mais grave, c'est ça. Et moi j'adore en profiter, tu vois. Je regarde par exemple ce feu. Tu veux pas rester ici? Ouais. Hey. Tu veux qu'on fasse l'amour, toi et moi, dans ta petite cage? On dirait Sam Fisher. Enfin, Aziz Fisher. Allez, viens. Toi et moi, pousse-moi. Allez, viens. Allez, je commence ou tu commences? Hein? Allez, fais quoi? Fais comment? Allez, dis-moi. Hein? T'as des belles lunettes, tu sais. Tu veux duel? Mec creepy de ouf. On peut pas aller par là-bas? Putain, mais en fait, moi ce qui me fait c'est que c'est pas I want to believe. Je veux mourir. Moi ce qui me fait chier en fait dans les jeux vidéo, c'est que. En fait, tu vois cette barrière-là, là. Qu'est-ce qui t'empêche d'enjamber? Tu peux enjamber, tu vois. Pourquoi on peut pas aller là-bas? Moi je veux aller là-bas, tu vois, pour voir ce qu'il y a là-bas. Je suis là. Ouais, mais crie pas. D'après les rumeurs, Test Exodus est bon sans plus.
Ça te fait pas peur? Ah, sérieux? J'ai pas vu les tests. J'ai vu un test qui disait que c'était un peu le Half-Life 3 qu'on attendait, tu vois. Mais j'avoue que j'ai pas trop lu les trucs, tu vois. Après, ouais, je sais pas. Je t'avoue que ça me fait peur aussi. Oh là là. À votre avis, combien de personnes ont pris la peine, tu vois, de regarder ce plafond là, tu vois, avec le maillage genre apparent, avec le coffrage du mur mal fait. Combien de vous ont pris la peine, par exemple, d'observer ce tonneau de lait ou ces bottes ou cette eau qui ruisselle le long du mur? Les gens ne prennent plus le temps, les gens rushent maintenant. Attends, j'ai pas fini. Combien de personnes en fait ont pris le temps de regarder ces champignons? Pas vous? Tu vois? Je suis vraiment ravi de ça. Pas moi, Arthur, pas moi, pas calme-là. Moi. On n'a pas de temps à perdre avec la maladie maintenant. Le sombre qu'on recherche. On doit pas le perdre. Allons-y. Je dois lui donner son insuline. Elle va mourir, c'est tout. Vous en un seul toit, de ouf. Comment en vrai, faut pas se... Ah, pour les jeux comme ça, c'est ouais, mais je suis là, c'est dur. Hey, j'ai acheté un PC à 4200 balles aujourd'hui. Hein. La tête d'OM, si le jeu est nul, je vais être triste de ouf. Parce que j'aurais mis 4200 balles dans un PC pour R. Hey, Exodus, écoute-moi bien. T'as intérêt à être gothi de ouf. Parce que la vie de ma mère, 4200 balles. Pour mettre du ray tracing et pour mettre du DSLS ma bite là, ok? Si le jeu il est flingué, je vais être blasé. Je vous le dis tout de suite, ok? Sachez-le. Je vais faire un émoticône PC, tu vois, PC, un petit PC, tu vois. Comme ça, quand ça va être de la merde, on va se faire mes PC, tu vois. La douille, tu vois, la petite douille. Il était 3003, ouais, mais je l'ai payé à 4002. Parce que j'ai pris au-dessus, j'ai pris une gamme au-dessus. C'est encore là. Bien sûr, on n'a pas pu protéger la station. Mais ils ont fourni un abri aux réfugiés. Et un hôpital. Ça pourrait... C'est calme. Attends, il a la barbichette. Oui, regardez sa petite barbichette, c'est calme. Désolé, je peux pas sans autorisation. Salut. Hey, c'est lui. Laissez-le passer. Il a un permis. Salut, Khan. C'est moi, ton gars sûr. Filtré de munitions. On aura sûrement pas d'autre chose après ça. Putain, mais nos clips cannes aussi, les relous. On a vraiment eu de la chance que les rangers soient là. Mais pourquoi ils sont battus? Pour souci de nous ou des réfugiés? Je me pose la question. Qu'est-ce qu'ils en tirent? Personne n'a signé de contrat avec eux. On leur a même rien promis. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Rien. C'est leur boulot. Les rangers de police font des trucs dans ce genre depuis le début. Quoi? Mais leur rôle. Combattre les rouges? En fait, vous avez, on a créé la commande point d'exclamation config dans le chat, les amis. Ça vous link en fait ma config, enfin ma future config qui arrive demain ou après-demain. Et j'ai commandé sur Absolute PC. Absolute PC. Non. S'il y a une épidémie, des mutants dangereux, n'importe quoi, police envoie les Spartiates pour régler la situation. Spartan! Oh, charge au tambour! Oh, donne. Eh, vous avez vu combien j'ai d'argent ou pas? Est-ce que vous avez vu combien j'ai d'argent? Chat, vous avez vu combien j'ai d'argent? Regardez en haut à droite combien j'ai d'argent. 1000 balles. J'ai 1000 balles de monnaie. 1000 balles. Exodus, c'est un jeu couloir comme lui ou monde ouvert? Non, en fait, c'est un monde semi-ouvert. En fait, c'est pas full ouvert. En fait, t'arrives dans des endroits en fait où. Bah, du coup, j'ai plus mes balles. T'arrives dans des endroits en fait où tu sais, c'est plus open, tu vois. Mais c'est pas non plus un. C'est pas non plus un. Comment dire?
c'est pas un open world, ok, c'est pas Red Dead, ok, c'est pas GTA. C'est... Le A2, c'est un pompe, non pour les véritables rangers. C'est, ah non, mitrailleuse lourde, à chevrotine et mortelle de courte portée, mais comme des munitions... ah oui, en fait, elle tire vite. Elle ne peut pas être équipée d'un silencieux. Ah, adios, amigos. The thing. Merde. La loutance compulsive, aiguë, absolument. Et j'en suis fier. C'est un remastered parce que je connais que de nom. Oui, c'est un remastered, ouais. C'est le Redux, si je préfère, ouais. C'est la remasterisation plus, qu'on va dire. Alors, personnalisé. C'est bon. On est bon. Bon courage, mon ami Ranger. Ils sont venus à cause de l'épidémie. Mais on a déjà mis en place la quarantaine et les rouges ont éliminé la source. Alors ils nous ont aidés pour que les rouges soient pas trop enthousiastes. T'as vu comment il parle? T'as vu comment il parle? Des balles très économiques! Achetez-les! Vous les regretterez pas! On dirait un mongol. Les gars, la config, c'est pas une exclamation config. Genre, ce pas retard, s'il vous plaît. Pour avoir ma config, faites un point d'exclamation config dans le chat et vous avez un config. Point barre. C'est simple. Putain, tout le monde parle là, ça me casse les couilles. Note les fonds dépensés par Hansa pour cette quarantaine. Votre attention sur le quai, ouverture du SAS. Tenir un nouvel atout pour mieux négocier à police. Dans les tunnels, Ranger. En fait, c'est aigu ce bâtard. En fait, vous comprenez pas, en fait, tout le monde spam, mais en fait, vous mettez une fois et ça vous envoie un lien dans le chat. Et d'autres okay lieux. Vous avez le lien juste en haut. Vas-y, Zbot, voici la config de Snaku et tu cliques en fait de, sur le. Mais pour nous, sur le lien. Il n'y a que le présent. Et seul le métro existe. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le sauver. Je dois me dépêcher de retrouver le sombre. Anna doit prévenir son père. Master Lock. Merci beaucoup pour la recette. Luxe, nous ne pouvons pas nous offrir pour l'instant. Merci. Narcisse Show. Bientôt, les chefs de Hansa, de la ligne rouge et du Reich se rencontreront à police pour trouver un accord sur D6. 21. Mais je connais bien les hommes, Artyom. La guerre est aussi certaine que la nuit. À moins d'un miracle. Mon casque, il est tout niqué. Eh, mon casque, il est fou niqué. Attends, elle m'enlève-le. Ah, voilà. Il faut un nouveau casque. Oh, je vais tirer sur tout le monde, là. Ah, oh, je suis grave sur les gars. Bon. On n'attrapera pas le train avec le sombre le long de ce tunnel. Mais il y a un autre passage. On quitte la station. Merde. Voici l'endroit. C'est bon. Est-ce que vous allez à police? Non. Ouvrez le tunnel interligne pour moi. Mais l'interligne est un cul-de-sac, et c'est très dangereux. Un cul-de-sac? Impossible. C'est la route de police. Ouvrez. Allez, ouvre la porte, ouvre la porte. Merci. Faites attention aux éoliennes. Allons-y. Oh, les gars, vous rappelez de ces PC-là? Ah ouais, c'était les HP. Non. C'est des compacts ou des HP, ça? Je crois que c'est les HP. C'est des compacts, ça. Non, Dell. Non, c'est pas les Dell. Non, c'est Dell. C'était Dell. Oui, c'était Dell. À l'ancienne. Tant qu'on reste ensemble, y a pas de danger. Oh là là! Ah ouais, avec le.
le port. C'était quoi ça déjà? C'est pas le port de l'imprimante ça? Ça c'est le port série. L'audio. Putain, c'était le port d'imprimante, je crois. Comme ta compact. Des investisseurs des collèges. Ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est. Ouais, c'est les Dell, t'as raison. Vous avez raison. VGI. C'est le nom du port? Trop bien! Ah, on peut pas aller là-bas. Tunnel et de station. Que c'est un conglomérat sans vie créé par les humains. Il y a un endroit spécial dans le métro. Les gens qui le trouvent n'en reviennent jamais. Attends, j'ai une question. Tu vas marcher à 2 à l'heure, tu vas m'allumer tous les interrupteurs comme ça à cette allure là? Bon, on finit le jeu demain en fait, hein, je pense. Hein. Parce que attends, il y a un. Ah non, c'est pas ça, correct. Salut, Wakil TV, comment vas-tu? Si un homme entre dans la rivière en quête d'une chance et qu'il veut vraiment changer, il peut être transporté à l'endroit et au moment où on lui accorde cette chance. On peut pas revenir en arrière, c'est dommage. Ah, c'est tellement du bien d'éternuer. C'est la vie d'éternuement. N'oublie pas. On va trouver le. C'est la seule chose qu'on doit demander à l'araignée. Je sais. Trouver Backpack. Le trou est une chose qui vit et qui respire. Il a un cœur, une âme et un esprit. Un esprit? Où ça un esprit? Ah, tu, Khan, tu pars en couille. Hein. Tu pars grave en couille, par contre. Ah. Non, on oublie une note. Putain, je l'ai raté combien? 2, 3, 1, 2, 3. Dude, I'm so sad. I'm so sad. Très bien, je sors d'un petit stream d'Apex. Ah, nice. Hey, tu kiffes l'Apex ou quoi? Ça va, tu kiffes bien? Arthur hyperactif, professeur graphique. Moi, ça me rend ouf les trucs scriptés, tu sais, que tu dois attendre. En fait, c'est relou. Je me souviens que Corbut a appelé l'opération qu'il avait menée à Okhbiatrskaya, une expérience. Et si ce massacre n'était pas le prélude d'une grande guerre, mais juste le test d'une arme monstrueuse. Et si les jours. Et si les rouges. Je suis fatigué. Et si les rouges détournaient juste l'attention de l'ordre et de Hansa pour préparer une attaque beaucoup plus dévastatrice? Je voulais être soldat, protéger l'humanité. Mais t'es ce que j'allais dire, purger l'humanité, je suis fatigué de ouf. Mais tout le sang que j'ai versé n'a permis d'éviter cette guerre qui a déjà commencé. Je ne suis pas devenu un super héros capable de tuer le méchant et de sauver le monde. Mais si j'en ai rêvé comme tout le monde, mais quand une guerre commence, on devient presque tous de la chair à canon. Beaucoup ne survivent même pas à leur premier combat. Et moi, petit maillon de la chaîne, je ne peux que tourner autour d'un axe prédéterminé et regarder impuissant la roue du massacre avancer. C'est sans doute pour cela que je pars avec Khan. C'est peut-être ma seule chance de changer les choses. Putain, je suis fatigué. Je sors la vraie arme. Oh mon gars. Laisse-les venir. Il faut qu'on fasse attention. Oh, all those ammo, Wildy. All those ammo, Wildy. Allez, go. Ce lieu est abandonné. T'inquiète.
suis niveau 57, donc ouais, je joue quoi. Ah ouais, mec, putain, tu as vu, tu te butes quand même. Je suis niveau 20, 25. Est-ce qu'on peut aller par là-bas? Attends, la science. Non. On peut pas. Il faut tester. Il faut tester, chat. Bientôt, les chefs de Hansa, de la ligne rouge et du Reich se rencontreront à police pour trouver un accord sur D6. Mais je connais bien les hommes, Artyom. La guerre est aussi certaine que la nuit. Tchad, j'ai une question. À moins d'amis. C'est encore long ou pas là? Miracle. Si c'est pas long, on finit ce soir. Si c'est long, on finit demain. Passez. Merci. Pas speedrun le jeu. Bon. On n'attrapera pas le train avec le sombre le long de ce tunnel. Du coup, va être convaincu. Mais il y a un autre passage. Plus de 700 kills. On quitte la station. 25. Voici l'endroit. Pas mal. C'est bon. Est-ce que vous allez à police? Non. Ouvrez le tunnel interligne pour moi. Mais l'interligne. Putain, c'est encore grave long. C'est vraiment long. Un plus de sac. Impossible. Genre combien d'heures les gars? De police. Non, pas long. Ouvrez. Quand vous dites pas long ou grave long, c'est combien d'heures à peu près? Merci. Oui, t'inquiète pas. Putain, mais 100 ans l'autre là. T'es pas, on dirait mon grand-père, putain. C'est ce que disent les dirigeants de Hansa pour décourager les gens d'entrer dans ces passages. Sans préparation, on pourrait facilement se mettre. Ça dépend de la science. J'adore ça. Ça dépend de la science. Allez. La plupart des gens croient que le métro n'est fait que de tunnels et de stations. Que c'est là. Il y a un endroit spécial dans. C'est quoi le nom du chapitre? C'est... Cannes. Le chapitre Cannes. La rivière du destin. Elle nettoie la base du passé. Une heure? Une heure, encore une heure? Ouais, on finira demain, je pense. Faire demain après-midi, à mon avis. Le métro dans la série, il y en a deux qui sont sortis et le 3 sort vendredi. C'est d'épée. Jure CTP. Il faut qu'on fasse attention. Attends. Mec, il s'est tapé de ouf avec moi. Ce lieu est abandonné. Merde, je suis con. Ah, c'est bon, ça save. C'est bon, la science maintenant. Est-ce qu'on peut aller là? C'est relou, je vais aller en bas. La façon dont il parle du métro, on dirait qu'il va être chelou avec... Non, mais c'est juste... Celui est abandonné. Attends, non, attends. Normalement, là, c'est pas où si on va là? Là. Sérieux, really, boy? Really, boy? Ce lieu est abandonné. C'est bon, d'un coup, c'est abandonné. Est-ce qu'on peut speedrun genre comme ça et tout? C'est vraiment un jeu de merde. Je suis désolé hein, de le dire, mais...